Comment je voulais que je fasse mon live? Mon glaçon sucré au sucre. Bien joué, Jorito, en tout cas. Salut, Koua. Qui d'autre? Faut que je dise bonjour à qui, là? Je dis bonjour à qui, la team? Attends, mais si je mets pas la lumière. Ouais, ça change presque que dalle, mais c'est pas grave. Faut que je la mette quand même, la lumière. Jorito, Zawatix, Polochon, Plume, Takias, Jorito, j'ai déjà dit Jorito, Yirox, Le Koala Rouge, Huawei, Untech, Liliano, Systrix, Taiko, il y a du monde, hein. Salut, ça va Dodo? Yo mon steak, ça va mon bœuf? Bon bref. Voilà, merci d'utiliser les emotes pour dire bonjour, ça va nous QLS? QLS? Que les 100! Ok les mecs, j'arrive, je me co sur skill. De toute façon, vous voyez, l'écran est là. Peu de blabla aujourd'hui, beaucoup d'action. C'est faux. Ah, pauvre, je suis pas sub. Pauvre, tu n'es pas sub, mais Team Frags. Ah oui, les mecs, je vais vous comment ça s'appelle? Ah putain, ça, en fait, c'est insupportable de lire toutes les emotes comme ça là. Ça fait que, ah, parlez, spammez vite fait dans le chat là que ça s'enlève les emotes animés là comme ça. C'est Burk. Tu achètes des météores en PV? J'ai pas de PV, mon pote. Enfin, ma pote, parce que je sais que t'es une fille. Voilà, merci. Spammer un coup là, genre juste faut dégager les emotes qui. J'aime les frites, voilà, bru. Non, mais sauf les emotes qui bougent là. Non, pitié. J'ai la seule fois où je vous demande pas les emotes de toute façon, donc. T'as même pas dit PB? Si, j'ai dit PB. Ah, c'est vrai que j'ai dit PB, faudrait que j'utilise. Ça va, Gobu? Un gros fiac, oui, c'est bon. Par contre, c'est pas un gros spam, je vois vos bêtises. Hein. Ok. La base de mer que t'avais faite, je l'ai cassée. Toute une journée. Donc évite. What? What? Embrouille dans la faction? Embrouille dans la villa? Bref, les mecs! C'est qui ce mec? Pain d'épices. C'est bon ça, le pain d'épices. Tu devrais donner les PV pour les gagner du concours. Oui, je l'ai fait. Salut Naoki! J'ai un don pour toi. Oui, Jorito, je vais le faire si tu veux en début de live, les mecs. Aujourd'hui. Merci Yorox. D'ailleurs, on va faire ça en live. Event. PP, farming, rush, classement, Sachef Show, Ice Expert, FCP, j'ai mis? Ok, merde, contrôle A, contrôle C, hop là, maintenant c'est bon. Aujourd'hui les gars, mais attends, mais. Voilà! Ok, il s'expère peut-être. Julien, s'il me fait faire des pompes, les gars, il y a 32 putains de degrés dans mon appart. Ça va, Luzrod? En fait, je voulais mettre une playlist années 80, mais ça m'énerve déjà. Sacha vous a envoyé un snap. Kinson, il m'a envoyé un snap. Je suis tellement pas dans mon live. Avalon, marrant ça. Ça va, Caméléon? J'ai dit, j'ai fait plus, c'est pas que t'as rien fait. Oui, bon, Osef de vos. Bon. Alors, attendez. Je me recoiffe. Je me remets ma serviette. Je fais pas mon lit. On s'en fiche. Alors, s'il vous plaît, pour les pompes aujourd'hui, il fait 35 degrés dehors, 32 degrés dans mon appart. Oui, j'ai tout ouvert, ventilateur, parce qu'il faut de l'air. Ça va et toi? Ça va nickel, les mecs? Ça va, ça va. Couché à 4 h du matin, parce que. En fait, ça joue à skill en fait, hein, hors live, etc. Même ce matin, j'ai joué, cet après-midi aussi. Bref, c'est pour ça que je lance un peu tard. Parce que je regardais des petites vidéos YouTube et je voulais me poser tranquillement. Un peu tard, au lieu de 15 h 30, c'est 16 h quoi. Ça va. Aujourd'hui, quoi de prévu, les mecs? Il y a les events. On a commencé les events. Enfin, les events ont commencé à partir de là. Non, Marcia Baila, Lerita Mitsuko. Ouais. Playlist likée, c'est parti. 2 metteurs pour 10 PV, mais j'ai pas besoin. Bah, j'ai pas besoin. Si, mais genre, je dois garder les PV pour l'instant.
Donc je disais, oui, les events. La vague, non, on perd bien machin d'info. Oui. Alors, hier soir, il s'est passé une grosse bataille entre la Mystique, Tempest, OMPN, dans la base de la Wagner, c'était sur Life Darking, etc. Et nous, on est venus défendre leur machine de renforcement de space, là, je sais pas, la machine renfo, là, qu'il faut faire, qui coûte 500 PB, donc l'équivalent de 500 euros. Ils l'ont perdu, personne n'a récupéré, parce qu'en gros, il faut 128 explosions, il y a une chance sur deux de la récupérer, donc personne n'a récupéré. Donc voilà, ils ont protégé leur cœur de faction cette nuit. Oh là. Et voilà, bon, maintenant c'est plus protégé, donc ils peuvent se faire piller à tout moment. Et ils doivent être deg un petit peu, mais en vrai personne n'a récupéré, donc c'est pas un avantage conséquent, c'est juste vraiment. Enfin, ils ont perdu un avantage, mais ça donne pas un avantage pour une autre faction. Pourquoi ils se TP à moi, Lolo Polo? De quoi? Je joue pas ça, je suis ma meilleure source, ok? J'essaye de lire les embrouilles fac. Lolo Polo, ok. 128 creeper pour un PP. Ouais, je te jure, c'est ça qui est rose. Moi, là, c'est des protections de base parce qu'on est en train de refaire une plateforme optimisée pour les cookers, les mecs aussi. Ça va, Binou? J'ai fait une petite décoration. Ah oui, mais c'était ça ce matin et hier soir ce que j'ai fait avant l'assaut de la Wagner. Voilà, petite décoration. Alors, j'ai cassé tout. C'est vrai, je vous jure que j'aime pas ce que j'ai fait. C'est dégueulasse à chier. Vous en pensez quoi? C'est un étage, enfin, c'est un endroit juste pour les machines et pour que ça fasse plus spacieux. Vous en pensez quoi? Ça passe. J'ai l'impression que ça fait trop de blocs pour rien en fait. C'est vilain, c'est chum, ça passe, c'est super stylé, sombre. Oui, c'est Bresson. En fait, je pense que j'ai mis trop de mélange de blocs là. Il y a trop de partout. Trop noir. Oui, non, mais le but c'est que ça soit noir, que ça soit Bresson, mais. En fait, c'est un peu l'étage d'Amso. Et là, c'est l'étage. Bon, bref. J'aurais pas fait mieux, donc je vais rien dire. C'est bien, en vrai, ça change. Bon, on essaie de faire. Bah classique. Là ça va être enlevé. Putain, va falloir que je refasse de la déco, c'est ça que vous allez me dire? Roule un dragon, j'ai ça dans ma playlist. Et voilà, bon j'ai fait ça, c'est juste pour les petits endroits pour la machine, voilà, avec séparateur de minerais à placer ici. Recycleur, faut l'avoir aujourd'hui. Puits de pétrole, à ce qui paraît, on m'a dit que c'était useless. Donc bon bah je vais remettre un bloc à la place et je vais mettre la raffinerie, de toute façon elle est juste là. Donc voilà, c'est juste des coffres pour les machines. Raffinerie, il faut mettre du charbon aussi. Voilà. Le puits, autant avoir de raffinerie. Oui, je pense aussi. Je pense aussi. Alors, on va juste faire les kits. Parce qu'on a tout à faire. Ça va, Emric? Les mecs, je vais vous harceler pour les tiers 1 aujourd'hui, je pense. Hein. L'objectif, 3 tiers 1 aujourd'hui. Voilà. C'est histoire d'être sûr. Histoire d'augmenter petit à petit le petit compte. En vrai, les sous, je m'en fiche. C'est surtout pour la chance d'être partenaire. En vrai, j'ai un full PVP là. Ah oui, aussi, du coup, je disais, ce matin, je fais de la déco, et aussi, il y a les events qui ont commencé, et regardez. Regardez, comme bon chef de faction, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé au KTH, et regardez. Ice Expert a dominé le KOTH 4 fois, les mecs. Bon, j'ai... C'est 4 secondes. 1 point égale 1 seconde. Donc, voilà, ça dure 15 secondes, mais c'était impossible à faire, parce que, voilà, il y a les mecs dans les events en Warzone. Il y a la Tempeste, qui sont légit 30, avec OMPN. Puis il y a la Mystique, puis il y a les autres factions qui s'y mêlent, etc. Qui sont plus des factions PVP que bah, les trois factions du classement là, Wagner, etc. Wagner sont allés, mais genre à 3, pas plus, et c'était juste pour tester, je pense aussi. Donc voilà, mais genre si vous regardez la Tempête, je crois qu'ils ont gagné énormément de points. D'autant plus qu'ils ont gagné les 20 points stratégiques, voilà, mais regardez, ils gagnent le KOTH, donc 420. Et en fait, il y a plein de points aussi qui génèrent parce qu'ils ont dominé le KOTH. Donc en vrai, c'est pas si dégueulasse, hein. Ça va, Trasbard? Ça va, Airtox? Et voilà, et donc l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de se préparer pour le petit event météorite à 18h, donc on a 1h30. Pas non, non plus. Non, mais je pense la strat, c'est toutes les facs PVP vont au KOTH. L'idée, c'est d'aller à la grotte vendre du stuff à Marc pendant ce temps-là. Ça va, Genesis? Peut-être qu'on ira dans la grotte, mais le problème, c'est que voilà, en live, c'est toujours un peu un bourbier. Même si j'ai beaucoup de chance, je me fais pas trop focus. En vrai, je trouve que ça va. Sauf hier, bon bah la mystique, voilà, mais c'était plus un attentat pour vendre des stuff ou des cultures, ouais. Culture, c'est de la merde. Je me tais pas à Lolo parce que c'est vrai qu'il avait un don. Culture, c'est de la merde parce que, bon, tu vas pas te travailler en Warzone pour culture, enfin pour vendre des cultures, autant faire des points de faction avec du stuff. Parce que ça donne que de la monnaie, ça moule les cultures. Ça donne pas des points de fac. Ok, petit don de Lolo Polo. Moi, je pense que c'est du minage.
Oh, c'est d'XP. Remarque, j'aime bien. Attends, juste regarder. Je te poserai mes kits ici tous les jours. Ah oui, faut que je mette un 7 ohms. Ah oui, faut que je fasse les objectifs journaliers, je les ai bientôt finis. Bon, c'est bien, au moins j'ai eu de l'XP. Ça va pouvoir se faire rapidement. Objectif, c'est bon. Compétences, ingénieur. Oui, c'est vrai que j'étais passé un peu de miné, enfin, de niveau de partout. Oh, 99,9%. J'avais même pas remarqué. Non, par contre, si tu me donnes ton kit de gladiateur, mon pote, c'est pas. Cube de live. Merde. C'est bon. Puis j'ai du Joule. J'ai déposé tout ça à la Sky. Ou alors attendez, ah oui, j'ai débloqué un skill chest aussi avec l'argent des runes fusion. On va aussi faire le bijoutier, comme d'habitude. On va acheter toutes les runes vertes. Merde. Hop. Parce qu'on va faire des anneaux de sauvegarde et les anneaux de sauvegarde ça se vend très très bien. Bref, on va continuer de prendre le don. Ça va Max? Viens au spawn après pour un don. Ça marche Jorito. Ok, je récupère un peu les dons de tout le monde, c'est ça le live. Une aura? Ouais, carrément, je veux bien Genesis. Ce serait bien que je réussisse à passer level 20 bijoutier. C'est un peu un objectif sur skill. Ça va, Silicon Carnet? J'aimerais trop troller vos pseudos. Merde. Mais des fois, il y a des trucs que je peux pas. Genre, Shikili Quatrigan, c'est Silicon Carnet ou Shingungunya. Mais après, le reste, je peux pas trop. Genre, Genesis Hyper, faudrait trouver des pseudos drôles. Bon bah, Max, t'as pas de chance. Je sais pas pourquoi tu te fais harceler comme ça, mais. Pas de chance. Bon, là, on a investi quoi? On a investi 14 000. 15 000 plus 7 000, on a investi 22 000. Si on réussit deux anneaux de sauvegarde, on s'en sort avec plus. Le trade. Ouais, je sais. Juste me remettre comme ça. Hop. Slashback. Et après, faut que je me TP à Jorito pour. Ah bah, il est parti. Ah ouais, il faudrait que je fasse un truc d'enchère. What? Ah oui, c'était ça. Faut que je mette en enchère cette forme tout le lin. Comme un con, je l'ai utilisé une seule fois. J'ai un peu la rage, donc ça fait pas beau. Mais faudrait que je lui foute un livre agriculteur expérimenté ou alors je la fous sans rien et j'essaye de la vendre. Je pense que ça peut être bénef aussi. Bon, on verra. Si on a un ticket d'enchère, de toute façon, c'est 5 000. Il est parti où, Lolo? Bon, bah, je vais au spawn alors. C'est envoyé en don. Vas-y, ça marche, Genesis. Je vais m'occuper de ta rune après. Et pendant ce temps-là, pendant que la météorite arrive à 18 h, je sais pas si on essaye de crafter un C4. Ou alors, enfin, on va farmer du stuff et C4 en même temps, parce que c'est quand même une mété le C4. Merde, c'est. Il est où le C4? Ça donne Ast 2, ça donne un radar de météore pendant 4 minutes. En vrai, ça peut être stylé à faire. Hein. Ça coûte une mété, on casse une mété, on en a une. En vrai, c'est un investissement. C'est un investissement et il faut être chaud. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on essaye de faire la mété sans forcément utiliser un C4. D'ailleurs, utiliser un C4, ça donne des points de faction. Oui, on les a, ça va être donné. Faudra y aller en punch ou je sais plus quoi, c'est pas très loin du spawn ou je sais plus. Faut y aller. Oui, bah on y va en punch. C'est fait, je pense. Bah non. Non, c'est bon, tout le monde a le temps. Hein. Alors attends, je m'occupe de Lolo Polo et après Jorito, c'est bon. Il est gentil, ils accueillent 4 là. Il est où Lolo Polo? Je désactive mon son. Oh, il me donne un PB, trop gentil, merci mec. La mété, c'est facile de bidouiller un truc. Oui, mais je sais pas si. En vrai, on peut essayer de crafter un C4. What? Mais j'ai eu un PV ou pas? Ah ouais, merci beaucoup, Lolo. Ça fait beaucoup de bien. Slash trade Jorito. Je sais pas si j'ai assez de place, ça dépend de ce que tu veux me donner. Parce que là, j'ai très peu de place, j'ai 10 slots. Oh! Ah, c'est vrai que la monnaie, ça compte pas trop en termes de slots. Mais t'as farmé tout ça quand? Et où? Et comment aussi? Merci mon frère pour les 50 000. Putain, la légende humaine. Mais on va le faire le C4. Hein. On va le faire, mais je sais pas si on va l'utiliser pour le premier. Merci Jorito. Le début de l'arc don. Le début alors que ça fait une semaine. Oh! Oh! Ah oui, c'est vrai. Putain, il m'a donné tous ses kits Jorito. Merci beaucoup mon frère. Ça, c'est trop bien les mecs. Si vous avez des stuff. Oh là là! Ok, annonce. Je vous ai harcelé pendant une semaine. Presque. Pour les putains de blocs de cobble. Mais les gars, si vous avez des stuff Senna tout pourri. Les stuff Senna tout pourri, les mecs, je les prends bras ouverts. Les gars, le stuff Urit aussi, je prends. Le stuff Senna, je prends.
Il nous faut absolument des stuffs pourris en Senna afin de jouer le classement comme il se doit. Parce que, en fait, Marc donne beaucoup de points, F-classement. Et vu que des fois, on fait des petites escapades à la grotte, et bon, on fait quand même pas mal de points. Là, tout à l'heure. Oh, deux bons. Deux étoiles fois trois. Ah non, trois, ok. Oh, ça va. En fait, on réussit à avoir plein de points avec le marchand de Tratruc qui a fait ça ce matin. 241 points, c'est énorme. Et hier, on a fait ça avec Samuel Trasbar des Rioux. C'était ouf. Ouais, Samoul, 265 points, 132. Donc en vrai, ça peut faire des petits 1000 points par-ci par-là par jour. Strafe Stuff Furit avec Marc. Je pense que si, mais tu gagnes très peu de points, non? Même en cuir. Non, il faut juste à partir du Sénat, je pense. Attends, je laisse Samoul, mon interlocuteur, parler. On va pas pouvoir jouer les events de la journée, nous. Ça marche. Attends, d'ailleurs, les events en soirée, ça dit quoi? Il y a 23h30. CTF, domination. Je pense qu'en là, il va pouvoir faire météorite, domination et peut-être capture de drapeau, mais ça m'étonnerait. À partir de Senna, les trades uniquement stuff plus CP, ok. Ça va, iFrost 88. Et ma cape, non, je l'ai pas faite. J'ai trop la flemme, vraiment. Je vous jure, j'ai trop la flemme de faire ma cape. Limite de don. Ah merde. Oh! Mais non, mais les frères, attendez. Ah, attendez, bon, attendez. Priorité à vous et les dons. Priorité à la communauté, évidemment. Ok, donc toutes les îles, on va les mettre ici. Donc tout mon stuff va être dans le coffre en space. Ici. Tu veux que je te fasse ta cape? En vrai, quoi, la roue, si tu veux. Je fais mes kits au lieu de récupérer les dons. Trou de cul que je suis. Il faut qu'on commence aussi à stacker les creepers pour les pillages et arrêter d'utiliser des creepers et des TNT comme des trous du cul. Ça aussi, c'est important. Slash SC. Je vais mettre du magma, je vais mettre ça. Mettre la TNT. Tiens, Samoul, si tu veux, t'as des minerais. Bon, je te mets tout comme ça. Ça, c'est du stuff pourri qu'on peut mettre à la poubelle. Slash kit. Faut que je fasse les dons. Je comprends rien aux priorités. J'ai 8 de space opsi. Ah, mais attends, l'opsi, je vais mettre F-chest. Parce que les amis, nous avons débloqué le F-chest aussi. F-chest qui va être vachement utile. Il est surtout énorme en fait. Pour bah, l'opsi, pour les machines quand on va déconnecter avec. Donc, c'est vraiment trop bien. Samoul a tout récupéré, je suis dégoûté. Ok, kit chimiste, après j'arrête. Je croyais que c'était que 3 heals le kit chimiste, mais en fait c'est 7, ça va. J'ai TPB au spawn. Oh, attendez, mais on va faire le C4. Slash don. Merci les mecs pour le stuff. Trop trop bien. Ça va nous faire des stuff à vendre pour Marc et c'est trop trop cool. Alors on va mettre ici. Est-ce que je peux pas trouver des petits panneaux et commencer déjà à faire Marc? On va l'appeler comme ça, le coffre. Parfait. En vrai, on va mettre Marc aussi. Marc. Marc. Et tous les stuff, on va les stocker ici, le temps de les avoir. Ça. C'est vrai qu'on a plein d'XP. Des perles. On va les mettre dans le stuff PVP. Parce que les perles, ça part très vite, hein. Putain de merde. Petit repair. Ça part extrêmement vite, les perles, quand vous faites des assauts de base, etc. C'est un peu... Le bourbier, musique de lover un peu en fond. Allez, c'est bon. Ouais. Mais oui, je m'aimais liker. Kit, c'est bon. Don. Merci, mon frère Frozen. Ah non, mon frère Frozen, mais c'est la The Shield, ça. Bon, bah, merci. Merci. Je peux pas refuser des choses comme ça. Je peux pas trahir la personne que je suis et vous chier à la gueule alors que je reçois des choses. Ruine de. Des zones de farm zone. Des farms de mobs en Warzone? Pas du tout. Ok, merci beaucoup. Merci Tino. Merde. Je crois que Kfaction. Skill, c'est l'un des seuls serveurs avec Kfaction où, par exemple, si tu veux ouvrir des coffres avec des heals, ça ouvre le coffre et ça splash pas la heal. Et ça, c'est bien. Merci bien. Merci César71 aussi. Non, mais là, on est. On va tester les stuff en urite, mais ça m'étonnerait finalement. Vous me mettez le doute. Putain, mais c'est musique de lover et musique de dépressif. Oh, Samoul, regarde! Non, mais attends. L'arc don est extraordinaire en fait. Regarde l'arc don. Les mecs, vous allez nous faire passer premier classement rien qu'avec ça. Hein. Ça, je vire. On trie un peu les coffres. My dream, cet arc. Mec, ça nous met bien là. Hein.
C'était un bon call ce que je viens de faire. Je suis l'atout marketing de la fac. Je crois que t'as mis des staff senat dans d'autres coffres. Ah ouais? Merci Frozen, merci Jorito, merci César. César, il nous régale, hein. C'est pas une compétition, mais César, il l'a donné, hein. Diospawn, j'arrive, Jorito. J'ai mis du staff senat dans d'autres coffres. C'est possible. C'est largement possible. Genre ça, je peux le switch. Oui, ça, c'est mon kit skill friend un peu aux F. Hop, on reprend tout. Tac, 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 tac. Potion d'anti-chute. On se remet en staff PVP. Il me manquerait juste la pharmax et après c'est bon. Les joints. Qui sont les joints? J'avais pas des joints? Un joint? Les kits skill friends, c'est quoi les jambières? C'est des jambières P1 en Tita. Ça a toujours été comme ça, je crois. J'ai envie d'être bête. Putain, je me suis endormi. Bah reviens Rydex. Mon frère Rydex. Tu vas faire la mété avec moi. On va venir en vocal. Rydex, tu vas faire la mété avec moi, c'est à 18h, ça sera bon pour toi ou pas? Attends, mais j'avais pas une canne à pêche? Non, c'est trop. J'ai posé tout dans ce coffre-là et vous allez me dire que j'ai plus rien. Qu'est-ce que j'ai pu mettre? Bon, on va tout remettre ici. De toute façon, on a des dons à récupérer. Hop là. En bas dans le même coffre. Garde de faction ce soir. C'est vrai? Par contre, les events, c'est impossible à jouer. En bas à gauche dans le même coffre? Non, mais il me faut des joints enchantés. Merci pour le vent. Qu'est-ce que tu m'as dit, Funko? Où ça? Je vois aucun message de Funko. Pas cool de El Pipito pour le ban. Et toi, c'est très cool ton Twitch Prime. Je t'ai MP. Ah bon? Qui a du stuff, c'est d'un. Ah non, c'est pas toi. Guerre de faction ce soir. Oui, on va peut-être tester. Attends, c'est quand? Ou alors c'est slash arène? Slash war par arène? Bon, allez, je vais voir. Mais je sais pas si on va faire ce soir. On va tester météorite. Et au dépend de quand est-ce que je cut. Ah ouais, 18h15, 19h45 en fait. Dans un combat 3v3? Faction domine et que les arènes ouvertes, tous les points que ses membres gagnent sont multipliés jusqu'à x2 en fonction du nombre de jours de domination. C'est tous les points gagnés par la guerre de faction ou c'est tous les points overall, cuisinier, etc. Le premier qui domine, t'as aucun combat. Allez, Pépito, ça peut être cool que vous fassiez. Bah oui, hein. On prend Builo, Samoul et c'est domination de la guerre de fac, hein. Clique dessus. Merci Jorito pour tes 1,6 PB. Je vais pouvoir crafter le C4, ça va être trop bien. Merci Max hein, pour le Prime, c'est gentil. PNJ, clique dessus. Alors, arène fermée, nanana. Dès lors qu'une faction domine l'arène, les factions adverses peuvent attaquer en combat 3v3 pour tenter de prendre le contrôle de l'arène. Hein? Donc c'est obligé de battre la faction. En fait, tu peux que duel la faction qui domine. Tous les points faction qu'elle gagnera sont multipliés par un coefficient grandissant. Ah, c'est vrai que c'est bien, hein. Toutes les factions disposant d'un cœur peuvent tenter de dominer l'arène du spawn. Attends, attends, attends. Là, y a personne, du coup, le premier, il a juste à cliquer sur dominer. Attends, 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 ça moule. Ça moule, t'as entendu ça? C'est free win. Mais les gars, il faut juste un cœur de faction et c'est bon. On va pouvoir avoir un petit peu de points grâce à ça, hein. Faut un cœur. Mais c'est trop bien. Donc attendez, alarme à 18h15, c'est ça? Alarme à 18h15. Bien joué à vous. Et par contre, le stuff est fourni ou pas C'est bon, j'ai mis une alarme. Ouais, donc ceux qui sont Space Blade, etc., c'est la merde en fait. Ah, ok. Tout le monde, tu peux te faire attaquer. Non, il y a des limites. Ok, ça va. On en est dans le classement? Ah, pas de Space, ok, ça va. Mais il y a Mété quand même. On est à 2000 points de la Wagner. Donc ça va. Après, c'est nos alliés, on le rappelle, mais le plus important, c'est de regarder tout ce qui est ennemi, donc Céleste et Legends. Samo. Le roi Samo. Mété, je sais plus, je te dis. Ah, je veux bien, why not. Parce que ça peut être un.
un truc assez game breaker. Si les gens ils ont un cœur, ils viennent full space, nous on défend, on a que le Tita, c'est un peu complexe. Mais tout à l'heure j'ai fait un KOTH, c'est insupportable, il y a tellement de trous, il y a tellement de gens qui sont postés pour punch. J'ai câblé derrière mon écran, j'étais tout seul à jouer. Hein. Ah ouais, c'était juste pour voir, mais merci Jurito encore, et César encore une fois, merci pour le stuff. Eh c'est bien, on a des petits coffres pour Marc là, on en a deux. Les joueurs enchantent en bas dans le même coffre. Camélon, je sais qu'il a l'œil, mais alors moi je l'ai pas là. Ça c'est bon. Techniquement, on va forcément se battre avec nos alliés à la guerre de fac. Techniquement, ouais. Hein. Merci au gamme pour le follow. Et techniquement, c'est la merde, parce qu'en vrai, les alliés sont bons, à part si c'est la reset, quoi. Le chaotage, c'est la tempeste. Ils ont full win ce matin. Mais je sais pas si on peut se taper entre alliés dans les guerres de fac. En vrai, on win, je pense. Bah, si on prend le meilleur roster possible, c'est-à-dire moi, toi, Bilo. Bah, oui, hein. Trois meilleurs de la Wagner, je sais pas. Mais en vrai, ils sont bons, hein, je pense, en PvP. Pour en prendre des balles perdues. Y a pas de balles perdues, Takias, je vois pas ce que tu veux dire. F-chest. SC. Bon, bah, je sais pas où est-ce que j'ai mis des joueurs enchantés. Bon, c'est pas grave. On va faire la rune de. Comment il s'appelle l'autre là? Genesis Hyper. Genesis Hyper, Genesis Hyper, c'est putain le salaud qui m'avait fait je sais pas combien de pompes là. Mon premier live 12 heures de ma life. Ça te met, tu vas voir. Oui, bon, Takias, ça va. Takias, il dit des mots aléatoires à chaque fois. On t'attend en garde de fac. Pas de double armure, pas de stuff météo space, mais il y a fight axe et pas de canapèche et arc. Oh, alors canapèche, c'est bien qu'il y ait pas. Donc, ouais, strat, full potion, potion de réparation, peut-être. Je sais pas. Non, peut-être pas, potion de réparation, c'est slot de heal pour rien, ça peut drop facile. Underpearl, ça marche ou pas, Highway Note? Oui, je te jure. Et ça va, Clixou? Donc là, on prend 4, je crois que j'ai tout. 1, 2, 3, 4. Ok, c'est parti. Bijoutier. Ça vient si on passe le 18 aujourd'hui. Donc si vous avez des runes à assembler, les mecs, passez par moi. Je suis le feneux des bijoutiers. J'ai tellement honte à dire ça. Mais c'est vrai, hein. Et je vous fais ça gratuitement. Prédit. Prédit pour la rune voleur. Putain, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? T'es attaqué, t'as 3 minutes pour aller au PNJ et défendre. Le cœur de fac, ok. Je vais prendre ma petite serviette parce que sinon c'est injouable. Plus de stuff, Sénat. Merci Azred en tout cas, merci beaucoup. En fait, ça pue si c'est raté parce que c'est moi qui les ai achetés les runes vertes quand même. Attends, j'essaie de le dire si j'ai pas. Pas de perles, ok. Oui, il est vrai que tu t'es touché les couilles sur Kafax, ça, Genesis, c'est pas nouveau. Et les alliés peuvent défendre pour moi. Ouais, donc ça veut dire, en fait, faut être le premier à avoir cliqué sur dominer l'arène. Et en soi, vu qu'il y a que 3 factions sur le serveur actuellement qui a... Alors, c'est pas la prédiction pour cet anneau-là. Dommage pour vous. Mais si vous voulez, on fait une prédiction pour l'anneau voleur maintenant. Pour la prédiction. Parce que les modos ont décidé de modérer aujourd'hui, à ce que je vois. Grand bien me fasse. C'est pas une exemple, c'était Kafak, ouais. Donc c'est bon, vous pouvez prédire, anneau du voleur, sachez que, les gars, l'anneau du voleur, c'est ma petite spécialité. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, donc en général, je réussis vachement les anneaux voleurs. C'est, je crois que c'est l'anneau que j'ai réussi le plus. Enfin, donc j'ai... Bon, bref. C'était le plus facile à avoir pour moi. Ah, bien, bonne question, Solaire. Est-ce que les anneaux, on peut les mettre pour la guerre de fac, et why not? C'est vrai que c'est intéressant à savoir. Petit anneau voleur, anneau de vie. Ça peut être un petit truc en plus. Anneau de l'infini. Oui, il y a anneau. Ok, nice. Ah, t'as mis non par contre, why not. Et les anneaux voleurs, je vous jure qu'il y a...
Trustez-moi, hein. C'est bon. Oh la vache. C'est vraiment pas de bol, Genesis. Moi j'ai volé si tu me prêtes un bichu good. Mais faut que t'aies un anneau de sauvegarde, ça moule. Vamos. Non, mais c'est vraiment. Je crois que j'ai raté. Un autre voleur, je crois que j'ai fait. J'ai dû en faire 3 de ratés sur 10. Et encore. Sur 11 avec celui-là. Attends, tu remets une prédiction. Putain, faut attendre. On prend notre prof. Oui, on prend propre stuff, Samoul. Merci d'avoir voté, oui. Free point pour Why Not. Putain. Certitude de merde. C'est même pas une certitude, c'est une certitude. Pas de chance. Combien ça prend de temps 1, 2. Sans cliquer. Putain, faudrait que j'ai une rune fusion. Faudrait que je le laisse, il est celui-là, parce que sinon c'est pas rentable pour moi d'avoir acheté les deux runes vertes. C'est un investissement de 22 000. Et les anneaux de sauvegarde, je les vends 13 000, donc voilà, il faudrait que j'en ai deux, sinon c'est nul. Eh non les mecs, j'attends que la prédiction se fasse, parce que sinon c'est trop facile. La base a changé, oui, j'ai fait de la déco ce matin, on a rendu ça un peu plus spacieux. Et il y a plusieurs étages maintenant, enfin je vais vous montrer un petit peu un petit home tour si vous voulez. Un petit hall de la Ice Corp. Et c'est parti. Je butterfly. Mais ça ne dit rien qui vaille. Allez. Putain. Bon bah pas rentable. Ça m'a fait d'XP bijoutier, super. Mais bon, HD vaisselle. 8000. Putain, mais Esti, tu peux les vendre beaucoup plus cher. 8500, c'est de la baise. Je vais l'acheter et je vais le revendre. Attends, anneau. Vous les vendez tellement pas cher les anneaux, pourquoi vous faites ça? Bon, je m'en fiche, je le laisse. Ah non, putain. En fait, faut que je vende le soir quand il y a personne qui vende. J'ai la réponse en avance, j'entends dans le jeu. De quoi, Trasbard? C'est moi qui ai fait la déco. Non, Riser, toi, tu m'as fait chier. Donnez-moi des points de chaîne, Fun Cozy. Non, tu t'es tiré un en plus. Merci, mon frère Fun Cozy. Ah bah... Ah, why not? 5 sub-gifts. Juste après. Allez, mettez des petits GG. Non, mais pas des GG tout foireux comme ça, là. Mais les GG, ice sous GG, comme ça. Attendez, faut que je vous montre. Allez. Voilà, merci, Yrox. GG, MDR, il est de bonne humeur. Logique, il est de bonne humeur. Il a gagné des points de chaîne. Il va me faire des pompes après les sub-gifts. Normal. Voilà. Mérité. Merci, ce why not, pour les 5 sub-gifts. À des gens, Drylin, New Wars, je sais pas c'est qui. Peut-être un viewer de l'ombre. Mais y'en a, il va être content. Doc est resté, je sais pas. C'était si nul ma déco. En vrai, j'avais fait une déco avec des tapis blancs et noirs. Il y avait les graines de gemmes ici, je les ai décalées. Bon bah tant pis, ça nous fait chier pour les récoltes, mais c'est pas si grave. Et y a un train de la hype, Funko. C'est vrai, y a un petit train de la hype qui approche. Attention. Je voulais dire quoi? Ouais, donc la petite déco, c'est Bibi qui est fait, mais en vrai, Funko et Why Not, vous en pensez quoi? Pour un mec qui PVP, qui fait de la déco une fois tous les ans. Oui, j'ai vu Samoul, bah, il va se faire foutre. Il va farmer son stuff, le bilo. Hein. J'attends la mété pour les pompes, je vais avoir assez, t'inquiète. Aïe, 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 tu vas plus être là, de toute façon, t'es maxi-vol. Moi, je suis mitisé. En vrai, j'aime bien l'idée. Merci Razer pour le sub-gift. Et voilà, GG, vous allez faire un train de hype. On va t'engager pour la prochaine Warzone. Je sais que... Vous êtes en vocal tous les deux, vous avez dit franchement c'est à chier. Hein. Et t'as dit incroyable, on t'engage pour la prochaine Warzone pour rigoler. Ma déco était plus belle. Ah mais la décoration... D'ailleurs il y a un bug de dupli, why not? S'il y a des cochons avec des selles, et qu'on tue le cochon avec une selle, on récupère les selles. Et c'est trou du cul de la faction. On fait des doubles coffres de putain de sel. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Regarde. On loot des sels à chaque fois quand il y a des cochons. Je te lis qu'il y a un bug de dupli qu'il y a sur Skill PVP. Incroyable bug du dupli. Non mais il est super chiant ce bug de dupli. C'est le pire qui puisse exister. Avant on peut rien en faire et ça pue du cul la sel. Il y en a d'autres. Qui sont trolls aussi. Bah, il y a les fleurs rouges, mais c'est pas vraiment de la dupli vu que tu utilises des os.
Mais là, pff, tu fais pas. Mais il n'y a pas de chevaux, Kilorendo. Malheureusement. Bon, les runes, c'est fait. On a gagné un peu d'XP. On a perdu des sous. Bon, après, on a perdu, mais on en a gagné. Je pense qu'on va essayer de crafter un C4. Hein. On va crafter un C4. J'ai 16 randomors. Allez, tiens, on va faire un opening de randomors. Home. Merci, Tilioyo. Attends, Riser, merci pour ce gift à Naizik. Je t'ai même pas remercié. Je sais plus. J'ai un trou de mémoire. J'ai dit GG train de hype. Homme dehors. Ok. Allez, Samu, le TP toi. Petite prédit randomor en plus. Promis, je vais poser normalement. Si on a une mété dans ces randomors, c'est 100% sûr que je fais le C4. Comme ça, on va pouvoir essayer de faire. Attends, I why not? Dis-moi. Le radar à météore, c'est un peu en mode probabilité, genre. T'as le truc comme ça, genre. T'avances, ça te met élevé, élevé, très élevé. Ou genre, ça refroidit, c'est un peu. C'est chaud-froid le radar? Ou c'est vraiment un. Ah, comment ça s'appelle? Chaud-froid, ok, c'est un chaud-froid. C'est pas un waypoint en mode. Il y a une mété environ comme ça. Et il y a combien de mété par météorite? Ça, c'est une grande question. Et est-ce qu'il y a que ça? Où on peut farmer d'autres choses. Mineur, acheter. C'est vrai que je peux crafter une skill pickaxe. Ça coûte 4 space. 8 mété de tête. Ah ouais, 8 mété? Après, t'as les coffres. Et les coffres, il y a quoi dedans en vrai? Je veux juste les loots les plus intéressants. Parce que forcément, on va les avoir, mais on a envie d'être spoilé. Comment se faire en sorte que les squelettes spawn? Bah je sais pas pourquoi y'a ça spawn plus les spawners dans notre base. Bon la prédiction c'est parti. Ah pépite de mété. En vrai en 17 randomors. J'en ai une ou deux? C'est bof hein. Ça moule, ça moule. J'en ai une ou deux? Une. Putain en vrai c'est bof hein. Bonne question. Eh ben, tiens, c'est ton travail, Funko. Tu vas me dire ce qu'il y a comme loot dans les coffres. Nul. Parce qu'une pépite de mété, c'est un PB. 17 randomors, c'est un PB, voire plus, non? Non, si, bien si c'est une mété, mais une pépite de mété sur 17 randomors. Bon, bah, c'est nul. C'est Trasbard qui a décidé. Non, c'est pas bien. C'est nul, j'aurais bien voulu. En vrai, il y aurait eu deux pépites de mété. Ok, c'est bien. Mais là, il y a eu une pépite, je peux pas vous dire que c'est bien. Une craft, une tronceau? Oui. Viens spawn. Et c'est dommage, je crois. Attendez. Objectif. Ah, faut que je les fasse. Tiens, on va faire ça juste après le craft là. Crafter une tronçonneuse, ça fait rien. En termes d'XP. Ça va, Panze. Putain, ça m'utilise de la dura, hein. Donc, t'as de la chance que je fais ça gratuit. Le rat par excellence. Ça utilise combien de dura d'ailleurs un craft? C'est 5, non? Ah non, c'est un dura. Bon, en vrai, Osef. Ça va et toi? Ça va nickel, mon frère Panze. Tout à l'heure, regarde la légende que je suis. Bien joué pour le train de l'hype. Vous avez eu des petits émotes. Pour ceux qui ont participé, évidemment. Regarde, Panz. Qu'est-ce que t'as lu? Ice Expert a dominé KOTH. Est-ce que c'est pas un truc de fou venant de ma part? J'étais tout seul. Mais j'ai envie de le screen. J'ai fait le KOTH tout seul ce matin. Tout seul contre les gens, là. Tiens, mon pote Ignoring. T'as de la chance. Et pourquoi vous avez plus de table de craft avancée? Allez, on va faire les objectifs. C'était quoi? C'était. Merde. Objectif, c'était XP ingénieur. Ok, nickel. 2576 pastèques. Et bah, c'est parti. Hein. Comme un bonhomme. Je te jure que j'étais un putain de bonhomme, frère. OMPN, Tempest. J'en passe. Les factions qui étaient full. Genre, c'était vraiment des barricades de punch en fait.
Parce que pour aller au KOTH, c'est dans la Warzone. Il y a des ponts, il y a la faille, il y a les échelles pour remonter. Il y a d'autres failles. Il y a plein de trous partout. Et il y a plein de gens qui sont postés en punch. Et en plus, le KOTH, c'est genre un truc où il n'y a pas de mur. Et il y a un trou juste derrière le KOTH. Donc, enfin bref. Ma petite fierté de la matinée, j'ai réussi à dominer. 2 secondes, pas plus. Table de craft, upgrade ou table d'enchant? Bah, table de craft. Attends, quoi? Une table d'enchant upgrade, économiser plus qu'une pépite. J'ai pas compris le truc. Réécris ton message plume. J'ai pas compris là. Tiens, Samoul, t'as 12 blocs d'XP et t'as des minerais là. Et notre rôle, ma pharmax, elle est là. Mais ma canne à pêche. Je jure qu'on me l'a volée. Non, y a pas les potions d'invisibilité. Va dans la grotte. J'ai pas vraiment d'intérêt à y aller là dans la grotte. Si c'était pour récupérer des random ores, blocs de magma, en vrai on en a plus besoin, on a fini la task. Ça je vais mettre dans le psy. Dans le FCS, pardon. Mais c'est marrant là. Canne à pêche. Bon, je vais en rechanter une level 30, on me l'a volé. Merci Ivoliki. La taille de la cape. Attends quoi la roue, envoie-moi un message Discord et si tu veux je t'envoie un message. Je t'envoie un message pour te montrer les formats, enfin genre le format. Et je t'enverrai toutes les images. Je te donnerai des PB quoi, la roue, si tu veux. Attends, essaie, t'en as une. Ah bah c'est celle-là. Non mais normalement il y en a une autre. C'est pas grave, de toute façon je vais l'enchanter. Ça va ici, canne à pêche dans le C. Oui mais j'en avais une autre. Mais ça se trouve je suis totalement timbré du slip. Hein. Et après je vous fais un petit home tour. Faites un vœu, il y a eu des étoiles filantes. Bon, je fais un vœu, je peux pas vous le dire. Mais c'est sympa pour vous. Et oui, tu fais point d'exclamation pack, Ivoli. Il me faut juste 3 graines d'XP. Tac. Eh bah, très bien cette canne à pêche. C'est la meilleure du serveur. Et en plus, j'ai gagné d'XP ingénieur, j'ai fait ma quête comme ça. La légende humaine que je suis. Bah, c'est bon. Merde. Objectif, ça c'est bon, et ben on va farmer des pastèques les mecs. J'ai récupéré des potions de réparation. Hop, Bassfinder ici. Il faut 576. Donc il faut 10 stacks. 4, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Gablo se déplace au spawner à squelette. Mais c'est marrant pourquoi ça spawn pas là. Même là j'ai mis des tapis pour cacher les spawners pour la déco, mais ça spawn pas. Craft une table de craft upgrade économisée. Fais les tables. Alors fais. Dans l'ordre, tu fais table de craft avancée, table d'enchant avancée, pickaxe en métier. Faudrait que j'en fasse une pickaxe en métier. Je sais pas, Juice. Ah, c'est peut-être ça. Hein. Good duel, comme ça la file d'attente accélère. Ça va, y a pas trop de file d'attente là. Il y a plein de gens qui se connectent et en plus y a 500 slots. 475, c'est presque pareil. Stuff Senna, Stuff Rose. Ok. Je pense que ça fait de la lumière. Merde. Putain, Samantha, sérieux, ça moule. Wow, 1 million, t'as acheté? Pas mal. Pas mal, mais. Alors attendez. Oui, c'est vrai que je vais vous faire un petit home tour. Bon, bah, home tour, la farm, vous connaissez, mais juste vous montrer le petit étage à cooker. Centre des opérations. Si tu me PM, sois utile à ma vie, cimère. Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire là avec le psy. Et du coup, voilà, là il y a plein de trucs en termes d'ingrédients. Là il y a les petits cookers. Là il y a encore des autres ingrédients avec peut-être un feu de camp ou une machine, je sais pas. Oui, donc ça c'est les ingrédients pour faire les ingrédients secondaires. Ça c'est pareil. Et voilà, bon, bah, c'est l'organisation de ceux qui font les cookers. Et en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal, il faut juste plus de cookers évidemment. Parce que là on peut en avoir que 4 par chunk. Et là si je fais F3G. Pour 137 euros tu fais 100 pompes. 100 pompes? 137 euros? Ah je l'ai fait en 2 fois parce que je peux pas faire en one shot je crois. Ça va Kazei? Dans la grotte full scénar récolter des randomors. Ouais je pourrais essayer en vrai. Ouais pourquoi pas, on pourra aller dans la grotte après si vous voulez.
Bref, du coup, voilà, on peut mettre 4 coupures ici. On pourra en mettre un là-bas, un là-bas. Et je sais plus. Voilà. Bah, il dépense rien, sa moule, hein. C'est tout. Les gens qui ont 15 millions de monnaie, qui jouent le bal top en monnaie, c'est juste des gens qui vivent pour les caméras et qui dépensent rien, quoi. Il n'y a pas d'intérêt à avoir autant de monnaie, surtout au début de version, quoi. À la limite, à la fin, ça fait un peu la fame, genre en mode bah, je suis le plus riche du serveur, quoi, mais voilà. Bon, voilà. Petit étage à cooking. Là, c'est tous les livres enchantés que j'avais commencé à trier hier, mais c'est une dinguerie à trier, donc. C'est mort, d'ailleurs, faut déplacer le congélateur, je suis en train de me dire. Petit étage à spawner, petit étage à machine. Après, bon, là, ça va être les spawners. Voilà, donc là, il y a une petite machine à potes. J'ai oublié de la montrer. Elle est juste ici. Et il y a pas mal d'arrivées. Il y a pas mal de petites potions. Il y en a quelques-unes qui ont chié, mais c'est pas grave. Mais en vrai, on est bien en termes de potions de heal. Ça fait plaisir à voir. Salut, Nazix. Je crois que tu t'es fait sub gift, Nazix. Je pense. Ça me dit quelque chose. Voilà, et après les farms, bon bah classique, de toute façon faut que j'y aille, heureusement que je fais ça à la fin, parce qu'il faut que j'aille farmer des petites pastèques qui se trouvent juste ici, et il y a des farms AB qui ont été nouvelles, des farms AB qui cette fois ont été optimisées pour la farm tool et la task qui a été finie hier soir, qui nous a permis, je le rappelle, de débloquer le F-chest. En parlant de toutes ces conneries là que je vous raconte depuis tout à l'heure, Koalaru, il est où? Koala, je fais ça sur crypto. What? Ok, j'aime bien ce que tu proposes, mon pote. Je vais t'envoyer tout ce qu'il faut en image. Tac. Voilà, et attends, iWynote m'avait envoyé les dimensions. Alors, ouvrir dans le navigateur web. Les mecs, je m'occupe juste de la cape. C'était pour le train de la hype. Merci, Riser. Riser, c'est un bon. Voilà. Alors, l'image avec le Luffy, c'est le dos de la cape, en gros. Pourquoi on te voit petit? Parce que je viens de faire un petit alt-tab. Merci, Koalaru. Il va me faire ma cape. Putain, c'est trop bien. Donc voilà, c'était le petit FOM de la truc, de la farm. Et voilà. Oh, cassé Kaiden. Merci pour ton tier 1, mon frère. Merci beaucoup, bienvenue à toi. Bah bienvenue à toi dans les subs quoi. J'appelais ça l'élite à l'époque. Merci beaucoup pour le tier 1, ça aide vachement pour le partenaire. Plus j'ai des subs tier 1, plus c'est probable que j'ai le partenaire les mecs. En vrai, en soi les sous que ça m'apporte tier 1, je m'en fiche. Ça change pas grand chose. Mais c'est surtout que c'est important pour Twitch de voir que je leur génère des sous quoi. N'hésite pas à vous abandonner, on s'y sent mieux. Ok, donc t'es sur ton portable et tu t'es sub sur portable. C'est sûr, parce que ça c'est le correcteur, ça. Oui, j'y ai Renugo, recrutement off. Et ça va, Norage Baby? Y avait quoi? En vrai, honnêtement, vu qu'on est plus dans ta base, Norage Baby, y avait quoi? Non. Oh, c'est pas grave. Y avait quoi dans ta base la dernière fois? Merci, Trasbard. Donc pour l'instant, on s'en sort très bien, mais faut la garder cette petite moyenne. Et voilà, le petit objectif il est accompli. Hop là. Et je crois qu'on est d'ailleurs passé agriculteur level 7, 8, je sais plus. J'ai gagné 8 gigabottles là? Bon, moi, rien du tout, je faisais que du troll, ok, ça va. Mais c'était prévu pourquoi cet endroit? C'est pas moi qui ai cassé quand même. Bon. Ok, on va faire juste un enchantement level 40. On prend l'anneau de l'enchanteur. On prend des livres. On fait ça en vif. Oh. En vrai, j'arrive jamais à les vendre mes livres écoles de magma. Hein. Jure, je suis sub. Et ouais, et c'est iWynote qui te l'a offert le sub. C'est encore plus beau. Je crois que c'est iWynote. Il me semble que c'est iWynote. Je crois que c'est ça. Le patron, ouais, le patron. Celui qui nous héberge sur son serveur. 3900, mais je pense que ça. Allez, 1999. Allez, bon courage.
Je suis seul moi aussi, salut. Oui, salut, Aïssoum. Mais vous avez le droit de dire salut même si vous l'êtes pas. Hein. C'est pas une secte. Même si on aimerait. Celui qui prend notre argent. Oui, mais pour en faire des belles choses. C'est ça qu'il faut se dire. C'est que iWynot vous prend votre argent, mais il vous offre un serveur qui est vraiment beau. C'est vrai, hein, le serveur est trop bien. Je conseille d'aller sur SkillPVP, évidemment, Hugok. C'est même pas un conseil, c'est un avis d'imposition. En parlant d'impôts, les mecs. Mais Razmok. Razmok! Mon frère Razmok! Razmok, faudra qu'on fasse un 1v1, je vais te broyer les fesses. C'est gratuit ça, mais Parfait, je prends le sub. Merci pour le tir 1, Razmak. Non, mon frère. Il y a tout le TS qui est sub, sauf Mixtaz. Voilà. Je suis trop flingué. Mais Kyros, hier, on a fait un 1v1. En fait, Kyros, il a pas un strafe de fou, mais il a une aim de malade. Je pense qu'il a une aim, j'ai jamais vu ça. Il est trop fort. Il a une aim de porc, Kyros. Ce qui fait que c'était impossible de le combo. Mais moi j'ai une aim un peu de merde des fois. Donc voilà. Bijoutier c'est fait, compétence c'est fait. On peut crafter le C4, c'est-à-dire on utilise des sous pour acheter des métés. Voilà, on va faire une petite session au minage. Oh non, je sais, je vais vous faire plaisir les mecs. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce qu'il me faut, on va vous faire plaisir. On va aller faire un petit tour dans les homes PVP. Mais je pense que le C4, on va le faire. J'hésite. En vrai, j'ai envie de le farm, mais pour une prochaine fois. Va dans la grotte, oui, je peux aller dans la grotte aussi. Tu cliques comment? C'est quoi ta technique hit and block? Alors c'est hit and block et pas. Non, les mecs, c'est comme skill touch et skill touche. En fait, ça marche pas. C'est pas possible. Genre de dire hit and block, c'est le mot. C'est pas item block, hein. Ouais, c'est vrai, Max, t'as raison aussi. C'est vrai qu'il nous manque des machines, on peut pas trop s'éclater à faire n'importe quoi, à faire des tests, comme par exemple la foreuse hier, en vrai c'était un peu du troll. Les monstres rapides et toute la PN Tempest. Ah ouais? Je vais juste checker un truc. J'ai qu'un seul joint par contre. Ok, bon y'a personne dans le nir de la paix. Faut juste que je me fasse des joints enchantes. C'est bien d'avoir des sous là, je me sens un peu... Libre, je peux acheter des joints, je peux acheter des heals, des underperles, des pommes d'or. Pommes d'or, c'est quelque chose, ça aussi. Hein. SC. Toutes les grosses factions sont AP. Oui, mais il y a l'AP près de la grotte, justement. Justement, qui est ton pseudo. Oh, ça, c'est pour moi, ça, la petite pièce à spawner, je reconnais. Joints enchantés, là, il y en a pas. Prendre des joints normaux, mais ça fait chier, ça fait un slot dans l'inventaire, quoi. Bon bah tant pis, on va en prendre 8 comme ça et puis voilà. Un titan. Ouais, t'as de la chance, viens spawn. T'as de la chance que j'ouvre le coffre et qu'il soit là. Et ma technique pour PvP, je sais pas, genre je strafe, genre j'appuie sur Z, A, D et dès que je veux knockback quelqu'un, j'appuie à fond sur Z. Dès que je vois que je mets des coups un peu à distance, je fais ZS, ZS, ZS. Genre si tu S-tap là. Après, je suis pas une lumière en PVP. Je trade plume. Pa-pa-lam. Tu vas où? Bah, je vais aller voir dans des home PVP. Et sinon, je vais aller à la grotte, peut-être. Peut-être! Attention. Allez, tiens, c'est cadeau. Il m'a envoyé 1 $. Un euro symbolique. Du coup, je suis un peu baisé. C'est bien, je vais avoir ma cape peut-être. J'espère qu'elle va être bien, elle va rendre bien. Ça va, tu te débrouilles. Oui, j'ai les bases. J'ai plus que les bases. Genre, je suis normal vers bon. Enfin, vers bien. Genre, je sais me défendre, mais c'est juste moi ce qui me fait chier, c'est les heals. Je troll trop, je panique trop. Alors, home, PVP. Tout ça, je donne. Oh, merci les mecs. Oh. Les pommes d'or, ça met bien. Hein. Et même les stuff aussi, merci les gars. Tu vas grotte là? Non mais, justement, t'es dans quelle fac sur le serveur? Parce que, en fait, c'est du harcèlement là, à ce niveau-là.
Home Pro? Je sais pas c'est quoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit bonhomme? Zenny? C'est qui? Attendez les mecs. Ça va vite, hein? Mais je pense aussi, hein, Armac, hein. Je joue pas. Mais tu me spammes la grotte, en fait, c'est ça qui me fait peur. En mode, je parle d'un truc, je regarde mon chat, et tu vas dans la grotte? Allez. Bon, allez, je fais quoi, les mecs? Ah, tu peux aller dans la grotte si tu veux. Ça me fait un peu peur, hein. J'essaie juste de trouver le mec au nir, là, mais. Putain, le nir de 30 secondes, c'est. C'est un calvaire parmi les calvaires. Aucun joueur à la proximité. On va retourner vers là. Parce que ça va jusqu'à 150 blocs, je crois. Donc ici, il était à 60 mètres. Peut-être qu'il mine, hein. Là. Non. Vous pensez qu'il pourrait être où? Une BP. Une BP en bas? Est-ce que vous pensez que je fais la technique de. Je sais ce que je vais faire. J'ai des blocs redstone. Des blocs redstone. Parfait, ça, des barrières. Je fais plus payer à cette base. J'ai jeté mes blocs. Non! Oh! Attends, please. Oh, la chatte! Il y avait le clear lag. Putain. On a eu chaud du cul. Ça fait chier les blocs de redstone si on les perd. Montre un truc 15 mètres. Putain, c'est trop chiant dans les biomes sables, c'est vrai. Peut-être qu'il était là. Dans quoi? Non, pourquoi il y a le fog? Il n'y a pas de coffre, hein. Les gars, on voit rien. Comment on enlève? Merde. Merde. Wow. Je pense pas qu'il soit là. Il était juste dans une trappe. Tu penses? Mais juste regarder là parce qu'il y a le fog de merde là qui fait que je peux pas voir. Ah. Ah, c'est donc une trappe. C'est la chef map. Je pense que c'est une trappe. Petite lava base ou pas? Je sais pas pourquoi je casse en vrai. De toute façon, je peux pas récupérer. La fois, j'étais déco. C'est marrant que vous ayez des problèmes de déco comme ça. Hein. Moi, j'en ai jamais eu. Mis à part le moment où j'ai. Enfin, genre, changé de pack, quoi. Mais. Enfin, avec les shaders. Ah non, merde. Bon, Home PvP2, y'a personne. Home Pro. En fait, je veux savoir c'est quoi le Home Pro. Ça se trouve, c'est un home archilique. Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Home G? Non. Home AP? Non, non, non. PP3. J'ai un Home Legends, mais on se les a pillés hier. Ok. Ouais, c'est vrai, j'ai vu dans les screens un peu Discord. Il y a cette base-là à piller. Hein. Il y a la 420, là. Ça fait un canon TNT aquatique, ça peut rentrer. Tu les récupères pas, tes blocs de redstone? Non, on les récupère pas, faut les acheter, c'est pas craftable. Donc voilà.
Là, il y a une petite forme de la 420, mais le problème, c'est vraiment le. On peut pas poser des seaux de lave sur le serveur. Le ticket dans mon OC, c'est le ticket de la grotte, espèce de malade manteau de justement là. D'ailleurs, il va bientôt se périmer, je crois. OMG, le call. Ça va, Shai, ça va, Bulo? Comment ça, Bulo, faut qu'on te farm un stuff là? On peut faire un champi de lave. Hein. Ouais, mais ça va être de la merde en fait. Parce que là, il y a tellement de couches que bon. Oh. Attendez. Je viens de voir un truc là. Ah, mais ça a déjà été pillé. Attends. Oh, attends, mais. Putain, mais j'ai du Weshden dans ma playlist. Non, j'ai fait trop. Allez. Eh ben, ça a été pillé. Ça a été pillé. Dans 6 minutes, mon ticket expire. Ouais, j'ai vu. Et. Allô, allez, ciao. Allez, allez, sayonara. Bon allez, je vais dans la grotte. Mais je vais pas très loin. Music bug. C'est bon. Je peux délome du coup. Oui, je peux délome. Ça, je délome PP3. Vas-y. De toute façon, on va croiser Marc. Slash FAP. Allez, vous avez gagné. Il me manque quoi? Ah, des bananes en urine. 5 mecs au FAP. Slash F show, another one. Slash chef show pupille. Quoi? Quoi? Pupille? Mais pupille! Mais cette faction, ce genre n'existe pas. Les mecs, je suis pas fou. Freeway? Freeway? Mais attends, mais c'est quoi ce truc de Golemon là? Pourquoi? Attendez. Faut que je remette Weshden, sinon je vais pas pouvoir jouer au FAP. Hein. Je joue sur mes rangs d'abord. Un mété, une pépite de space et une mété. Bah ça va, Rydex. Oh! Les gars, ça va à la grotte là, hein? Ah, c'est la The Sword. Mais bon, bah, GG. Valeur. On te connaît pas. Allez, allez, ciao. En fait, je suis une merde. Mon identité masquée sert à rien. J'ai un titre, 25 pompes facile. Allez, allez, ciao, allez, allez. Je crois que j'ai deux QI. Je crois que j'ai peut-être deux QI, non? Viens, on va pas grotte. Ah bah FF, tu peux l'enlever le titre. Mon identité masquée, ouais. Je crois que j'ai des QI. Bon, c'est pas si grave. Si, c'est grave. Faut juste que je trouve Marc. On va faire 2-3 points de faction si on peut. J'ai cédé à la tentation, je suis allé à la grotte. Ton titre s'achète. Oui, mais il n'y a pas grand monde qui l'a acheté, peut-être mon titre 25 pompes facile. Merci Adrien pour le follow. La full Senna, c'est de la merde sinon. Ah ouais? Olé. Mais je pense que. De toute façon, dans tous les cas, mon ticket allait se périmer. Ah, je pourrais le vendre aussi. Chaque fois que je vends des tickets, genre un peu 900$ à l'HDV, les gens ils disent OMG, ticket de la grotte et tout. Et ils l'achètent. Marc! FF. Bon, je vais me DP à sa moule aussi. Non, mais ça, je m'en fiche, les blocs de magma et tout. Allez, ça se farm. Putain, ça se casse vite en vrai avec une farmax comme ça. Hein. Faut juste les random or. Les blocs de magma, c'est pour de la déco dans la base, quoi. Ah, ça, on prend. Je vais me faire attendre comme un ouf. Hein.
Après, si je sors, j'ai un punch. C'est nous, la 420. Oui, vous êtes déjà fait piller. Il y avait quoi dans votre AP? Comment tu vas aujourd'hui? Ça va. Ça va plutôt bien. On va tester la mété tout à l'heure à 18h. Donc dans pas longtemps, en vrai, ça passe vite, c'est bien. Et ça va PVP à la mété. Raidex, t'as un stuff hein, pour la mété, j'espère. En tant que sur ton spawner, mais c'est encore, on n'a rien déplacé encore. Ok, ça marche. Ça va aller en même taille. Je vais finir full Senna. Comme un guerrier. À la mété, tu vas te faire archi focus, Bilo. Mais bon, au moins tu viens. T'as vu, par contre, guerre de faction à 18h15, Bilo, hein. Bon, en vrai, Osef. Ok, il se revient, je pense. Ouais, je vais revenir, il y a la faction qui est dead. Il y a guerre de faction, Bilo, hein. 18h15, 19h45. Donc, on fait la mété, on va à guerre de faction. Et on va pas. Je sais pas pour le C4, Zipzoup. Enfin, le même taille. Normalement, non, mais. J'ai pas de full bleu. Putain, mais fais-t'en un. C'est vrai qu'il est stylé son badge. Ah, le combo de couleur de Bulo est pas mal. J'ai pas de. Ah, mid, 98 mètres. Bon, bah, on a chopé un random mort, on est heureux. On n'a pas trouvé Marc. Là, il y a des gens qui sont stuff, là, ça me fait plaisir à voir, mais. Slash call, ça moule. Ça va Kirito? Il faut un save pour la guerre de fac. Bah ouais c'est ça. Dès qu'ils sont 50 ms ça me kick. Mais pourquoi tu lags Bilbil? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Ah mais c'est la base de hier là. Non? C'est quoi guerre de fac? C'est 3v3 dans l'arène. Et tu peux venir Binou hein, si t'as un stuff bleu hein. Y'a rien dans les dispensaires, on a pété, faut aller en bas. Les couches 14. Stuff fourni, non, pas de stuff fourni. Et vous essayez du sbug depuis tout à l'heure? Là, je pense que c'est creeper, mais. Non, en vrai, les mecs. Les gars, les creepers et les bases comme ça, en vrai, on dépense rien. On dépense rien, on garde tout pour les cœurs de fac à piller la prochaine fois. Je vais me mettre en 4G pour le 3v3. Vas-y, mais il faut que tu te connectes, hein. Parce qu'il y a la petite file d'attente, sinon. Mais contre qui? Bah normalement personne. Parce qu'il y a juste trois factions qui ont le cœur de fac et peut-être qu'on peut taper les alliés, donc Wagner et Rizet quoi. Faut juste regarder qui a des cœurs. Faction n'a pas de cœur. Faction n'a pas de cœur. On a une. Non protégée, ok. Je regarde juste s'il y a des factions qui ont des cœurs, mais. Personne a. Et du coup, si on domine la guerre de factions, bah. On a multiplicateur sur les points de fac qu'on génère. Ouais, y'a personne qui a des cœurs de fac. Putain, glisse dans la porte. Oui, il y a le truc punch 2 là. On gagne full point de classement en fait. En fait, on gagne un coef de points de classement. Donc c'est archi bien pour les tasks, objectifs, etc. C'était ouvert. Ils sont en bas? Là, je colle Poloche. Pam, pam. C'est déjà pété. Ah oui, c'est ouvert en effet. Oui, mais c'est la base que j'ai pété hier, non? FF. On l'a pillé avec Iris. Mais oui! On a pété hier. Il y avait rien. Ou non, avant-hier, pardon. FAP. Vas-y, on peut aller au FAP, hein. Kims. Putain mais le l'identité masquée baisse tout au nir. On remarque tant mieux. Merde. Et on peut pas monter à plusieurs. T'aimes trop DTF. Bah c'est en aléatoire là. Ça, Osef. Ça, Osef. Ça, Osef. Et c'est parti. Restez pas sur la Warzone.
Ou vous êtes mort. Et tu compenses quoi? Vous voulez aller FAP, mais pour faire quoi du coup? Sur la terre. Viens dans le coin nord si tu veux. Vas-y. Petit échauffement de punch. C'est qui lui? M'a fait peur. Là, je vais me mettre bien. Je vais me mettre bien. La Neba. J'arrive plus. Ah mais ils ont. Ah non, ils peuvent pas mettre des homes dans la warzone, ça va, ils peuvent pas pousser en mode. Wouah, ils ont déjà fait un truc. Putain! C'est qui ça, sa chef map? Je sais pas c'est qui. Et du coup, notre API, il est là. Il est un peu flairant, mais ça va. On a toujours les perms chez la Wagner ou pas? Parce que ça va, la Wagner, ils ont fait un AP qui est cool, hein. Cacao on the flux. Mystique 2. Mystique 2, ça pue, ça. Hein. Je sais pas pourquoi le coup de canapé, il est pas parti là. Il y a des staff Sénat derrière. J'ai envie d'aller sur les staff Sénat et les tuer. Mais qui tape derrière? Et un peu. C'était qui? Mais te gifler avec la canne à pêche. Je vous jure, c'est trop bien quand tu te la. Ourson. Mais depuis quand il est dans la ourson, il est irréel? Je suis un petit cancer, c'est ça? Bah, ça se joue comme ça. Faut pas que je tape Guise, parce que ourson, c'est Ali. Enfin, c'est Ali des Ali, donc c'est bon. Tu forces avec la rod. T'as qu'à en prendre une, mon salaud. On est des joueurs UHC, nous. Oh, il s'est retourné d'un coup. Ça ne marche pas! Ah, ça j'arrive pas à faire genre la jouer défensive en mode faut que je back. J'utilise la canne à pêche pour me heal. Comment il sait que c'est moi, j'ai une identité masquée? Mac. Ouais, comment il sait que c'est moi? Je m'appelle.
Bonjour. Pardon. Je m'appelle comment? Antarctique. Invite-moi, vas-y, ça marche. Mais tu devais pas aller faire les events chez la Wagner, toi? Le pack, il est trop bien. J'ai rien dit, le pack, il pue sa mère. Ah, vas-y. Non, j'ai plus de joie. PP nul, KB nul, punch nul. C'est spécial. Je veux bien le croire. Moi, ce que je sais, c'est que ça le cheat pas, donc... refill. Non mais je troll tout. Faut vraiment que je prenne du temps avant de me heal en fait. Alors c'est pas critique. Voilà ça va, il me heal. Le stream a des chutes de FF. Le stream il lag les mecs ou pas? Pourquoi il back? Oh là là, je le traque avec ma souris. C'est-à-dire. Non, moi aussi. Attendez, mais les gars. Non, mais vrai sondage pour plein de gens là. Plus de potes. Bah attends, j'ai pas de. Je vais me repair et je vais prendre des potions et hors PVP. C'est nul, on aurait dû continuer le 1v1 jusqu'à la muerté en fait. Attends, R. Attends, F invite, Bilo. Slash F show, slash F kick. Slash F. Je suis en 1080p et j'ai 0 bug. Regarde mes DP en DM. Ok. C'est des tests. Ah ouais, ça va, j'aime bien. Hein. Mais y a pas un petit bug sur la photo que tu m'as envoyé où genre on voit le dos? J'ai l'impression qu'il y a un petit bug, mais c'est pas grave. Mais sinon, c'est stylé, quoi, la roue, merci. Tu fais du rush ou quoi? C'est-à-dire, je fais du rush. Bien. Non, mais il s'agirait de ne pas venir me casser les couilles, en fait. Banger. Mes perms, sachez perm. C'est bon. Vous voyez pas juste que je me refill et après j'arrive? Sur laquelle, genre le dos de la cape. Genre y'a pas un petit truc qui fait que ça bug? Allez, pitié, laissez-moi back. Ok, c'est bon. Petit repair en légende. Combien de repair restant? 17? 4? Oh, oh putain, faut que je fasse gaffe à mon punch. Ça c'est bon.
Ouais, ça, je m'en fiche pour l'instant. C'est chouette le PVP là. J'ai pas un HDR? Ça t'a manqué le rush MDT ou fast? C'est quoi ces blagues de. Je comprends pas là. C'est pas la même qui, je sais pas comment ils appellent le mode. Ah, ok. En vrai, les perles, je m'en fiche là. Hein. Surtout mes couilles et mon couteau. Alors comme ça. Et faut que je fasse gaffe, la mété c'est quand? Ouais, c'est bien, ça m'échauffe bien pour la mété, c'est cool. J'aurais bien voulu plus de heal. Ben voilà, il suffisait de demander. Me mets full pot. Hop. Après, il n'y en a plus, je crois. Bon, allez, c'est bon. C'est une blague, je peux voir où j'ai fait la blague. Tu fais du rush ou quoi? Ça t'a manqué le rush MDT ou face? Je sais même pas de quoi tu parles, j'ai jamais fait de rush de ma vie. Voilà, si tu veux savoir, j'ai jamais fait de rush de ma vie. Enfin, si, des Iga Brain et tout ça sur Funcraft, mais jamais joué en mode de pro ou j'en sais rien. Si on peut dire pro. Bad boy. Putain, j'ai la nausée. Ça va, Nathan? C'est qui pète là? Oui, et toi? Moi, ça va. Ah, ça pépé juste derrière, attendez. Après, ils sont en V1. Ah, c'est Poloche! Il essaie de sortir, lui, il est un peu dans la merde. Est-ce que son Ender va atterrir ici ou pas? Va pas ici, pitié. Je vais pas où? Tu t'en vas depuis 10 jours, là. Franchement, ouais, et je kiffe ça. À chaque fois, je fais des choses différentes, c'est ça qui est trop cool. Non, j'ai trop la flemme de t'enlever en toi. Chevache Family 1, ça me plaît bien. Merde. Moi, je veux enlever un l'autre. Jure une pub. Allez, je lance. Vous savez que les modos, vous pouvez lancer les pubs, hein. Un peu sur la voisine, c'est tempé son MPN ou quoi, viens, t'es mort, il te spam anti-back. Ah ouais? Petit coup de rod? Putain. Je fais 31, donc faut vraiment rester sur la terre. Ouais, mais il y a. Putain, faut que je garde ça, ça veut dire. C'est qui lui? Il a jeté une pote dans le vide là. Je vais trop tôt pour essayer de jouer drop en fait. C'est ce que j'ai compris. C'est une leçon, ça, c'est. Allez, pitié, meurs! Pitié! Viens! Ça, c'est le PvP que j'aime! Le PvP où je peux faire des petits circles et tout. Regardez! Jamais PVP comme ça de ma vie, je suis trop heureux. Je pourrais parler des heures et PVP comme ça. Non, back pas. Non, back pas, pitié. Pitié, était le seul. Comment il s'appelle?
Ça va, Yormax, il a trop du mal. Je suis deg. Je suis deg, il a back. Fais des 1v1 nature sinon. Ouais, mais je fais des 1v1 nature. Je fais des 1v1 nature avec qui je veux. C'est-à-dire, je vais pas 1v1 nature n'importe qui, les mecs. Hein. Genre Azix, moi je veux bien. Mais il... je pense pas qu'il veut là, vu qu'il a dit non. Ça, c'était trop agréable. Vraiment, ça a jamais été aussi agréable de PVP depuis longtemps. Genre, j'étais fluide sur mes mouvements. Je savais exactement ce qu'il fallait que je fasse. C'était trop bien. Hop là, ça c'est du stuff à donner à la marque, je reconnais. Super, il utilise la durée de mon épée. Niesca, je pense qu'il est bon. En plus, il est stuff sénat. Arrête. Arrête. C'est qui, c'est Tratruc. Laisse-moi monter, de spi. Ok, y'a qui? Y'a que des noms en... Pour son V2, c'est bon, c'est tranquille. Mais est-ce qu'il y a le problème, c'est que... Mon frère, y'est-ce qu'il y a... On va aller en bas, inverse humain. Attends, joins. Il en a rien à foutre. Donc ça, je jouais drop comme un fou, mais le mec a un 1 HP en permanence, comment il fait? Je fais un arrêt cardiaque toutes les 5 secondes, moi. C'est le meilleur PvP. Bah, c'est le PvP le plus intensif, quoi, mais je suis pas le... Enfin, c'est vraiment le pire truc pour moi, quoi. En plus j'ai l'avantage, je comprends pas. Genre là j'ai 3%, enfin en fait 30% de points de vie, c'est genre... Ouh, sa mère. Ok c'est bon, faut juste regarder le pourcentage. Fouf. Je joue pas drop MDR, mais j'en ai rien à foutre de jouer drop, je joue au PVP, je clique sur ma souris, j'envoie des potions quand j'ai plus d'HP, c'est tout. J'en ai rien à foutre de jouer drop ou pas, moi je veux juste tuer des gens. Hein. C'est plaisant. Ouais, mais c'est risqué. Hein. C'est... Moi je joue drop, mais c'est 2 points de vie, 3 points de vie quoi. Hein. C'est tout. SC. Petit punch. Sniff. Enfin, slash home sky plutôt. Full perd aggro, t'es là, tu drops des mecs tout le temps à 0,5 coeur, t'es toujours peur de mourir de ta perle. Ouais, y'a ça aussi. Ça va, attends. Plus sous salade de chem, je me régale. C'est pour ça que t'es stuff sénat. Ça, c'est bon. Bon, bah, j'ai gardé un stuff au cas où. Faudrait que je tâche back. Il y avait des joueurs en chante. Ah non, un seul. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? En vrai, les gens bien. Putain, mais faut que je. Déjà, je gagne peu de 1v1. Si en plus je dois...
Non, pour l'instant, les Norvèges, je crois que je les ai tous gagnés. Sauf un où. Enfin, c'était 2-1, quoi. Tu fais encore des anneaux versus 3K? Ouais? Ouais, carrément, même gratuit si tu veux Billy is back, hein, ça me dérange même pas. Si tu veux me payer, moi, c'est tout à ton honneur. Viens, PA, ça fight, vas-y, j'arrive. Merci pour les GG, le reste. Putain, mais pire, je peux mettre FCS, non? Putain, mais vous branlez quoi avec tout ça? Un bateau, sérieux? 54 blocs de cobble. Y a pas de petit. De petit profit. Ah, j'ai oublié de donner, mettre l'épée. Je peux virer quoi? Bah, parfait ça. Merde. Pourquoi je peux pas? Ah, c'est bon. Bon, bah, on va y retourner, les mecs, hein. On va essayer de rechoper des petits 1v1 comme ça, là, j'aime bien. Mais que si je gagne, hein. Coucou. Ah, mais toi, tu t'es TP, oui, je ferai. Je t'ai donné la rune en slash don. Bah, vas-y, je PVP un coup et je te fais ça, mon pote Bidi. C'est long de monter les AP, slash FAP. Ça va être plus simple. Pas gentil, Binou. Ça va, Yaz? C'est qui, Motor? Identité masquée. Ça se bicrave des heals? Ok, je pense que c'est Infinity 54 qui me dit coucou. Ah, mais j'ai plus l'identité masquée carrément, d'accord. Venez à la PS Expert Misper. Le problème, c'est que le FAP il est. Mais s'il y a 40 mecs, c'est mort, hein. Faut juste se casser. Hein. Oh, faut aller sur la terre, il a dit ça moule. Toi, moi, Ace. Ils sont en train de sortir là. Il est en train de chasser. Manu 09, petit soleil. Zéro point de vie là. Il prend 0 points de vie le bug là. Je veux bien que je le heal parce que je suis un trou de cul, mais. Oui, j'ai plus de joint. Je me mets à jitter click alors que j'ai fait jamais ça. Attends, mais. Tu le heal. Je sais que j'ai heal comme un trou du cul, mais j'arrive, attends. Mais il a quoi comme anneau? Il a anneau de quoi? Parce qu'en vrai, même si je le tapais, etc., il a moins 15%. Parce qu'il est dans notre AP, Fantix. Ouais, mais faites gaffe en fait. Greg? Mais bienvenue dans notre AP, mon pote. Tu viens de t'égarer là. Ça freeze. On est donc voisin d'AP? Bah, ça ne me fait pas peur. C'était ton AP, il a du PC avant donc il a rési. Ouais, hein. Parce que là, même si je le healais, les gars, je veux bien. J'ai tout claqué, quoi. Chercher des heals. Oui, c'est le skin de Shanks, Stratrux. Tu as changé. T'as Géchant. Bon, ouais, ça sert à rien de rester là.
Home APG 2. Je crois que c'est celui-là qu'il faut. Ah non, mais c'est le Home God, ça. Bam, bam. Ce punch en warzone, ça met en combat. Ah oui, comme ça, les gens ils peuvent pas back et déco combat parce qu'ils se sont punch. Enfin, qu'ils se punch, etc. Du Titi Mystique 2. Ah non, Alcatil, viens en V1, du Titi. Viens en V1. Je suis nul, mais vas-y. T'inquiète. T'inquiète, c'est pour le contenu. En plus, j'ai du showtech dans les oreilles. Vas-y, prends tout ce que tu veux, mon pote. Tu lagues un peu. Oh, vas-y. Bah, c'est un viewer, merde. C'est un viewer, donc bon, les pompes comme ça. Flinguer le dudu. T'es chaud. Bah après il a dit qu'il était pas. Il était pas bon, donc bon. Tu fais des pompes. Merci dudu. Merci. Et si je courais tout droit et je le tapais? Mais je crois qu'il lag un peu. Je lui rends, ça va. Prends pour Bulo. Non, Bulo, c'est où il a un stuff. Juste taxe. T'as pas des joints? Ah merde, il manque son épée. Tiens. Slash trade du City. Et voilà. On gagne quelque chose, les mecs. 2 PB. Merci Dudu. Tu reviendras plus fort. C'est un brave. Oui, il est honnête. C'est gentil. Juste me repair en 2 spi. Merci Léax. Léax. J'ai dit Lix. Léax. C'est pas grave. Ouais, peut-être un petit stack d'under en plus. C'est quoi la mété? Dans 15 minutes. Salut frérot, t'en penses quoi? Oh, toi tu vas te faire ban. Je le sens. Pas besoin de mettre ton armure dans ton offre pour repair. Bah si. À chaque fois ça me la repair pas. Donc si. En revanche. On est vraiment en déj de juin. Hein. Et mon pote Obit, j'ai déjà testé... Faut double repair si t'as un item dans ton arme, sinon que 1. Ok. Je sais rien, Lixdeal. Je connais rien. Venez AP. J'arrive, hein. J'arrive, mais 2 juin. C'est bon, je suis pas AP.
Je colle trois trucs. Non, j'ai nausé. Ah, c'est un fight contre la brigade. Oui, c'est un fight en mode. Qui a lui la PC. La brigade 2? Le retour? Au psy trap? Non, j'arrive pas à poser des blocs. Ah, mais je peux pas poser des blocs, c'est pas notre AP carrément. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est pas notre AP du tout. C'est là mon AP. 123 points de vie, il a un anneau de vie. Par contre. Non mais faut aller se faire foutre là. Genre TPAP. Ah bah merci Binou mon frère. Il va mourir de perles. Je vais juste récupérer le pantalon pour Marc, c'est bon. Vas-y arrête toi. J'ai une underperle où? Ah, j'ai une underperle sur Samoul, je pense. Regardez ce que je vais faire. Hein. Je sais pas où est-ce que je peux build, mais pour l'instant, je peux pas. Hein. Ah, mais c'est leur AP là. Ok. J'ai combien de CPS? 12, 11. Dans ton pack, c'est. Tu fais pas d'exclamation pack, Kaideo. Ta casse, je sais pas, hein. En vrai, si on est Ali, c'est bon. Enfin, genre, c'est bon. Je jure que le niveau PP est nul. C'est parce que je drop des gens, Bulo, c'est ça? Non, mais putain, attends. Putain. Le F-chest, virer tout le sable. En vrai, de vrai, on s'en branle là. Virez-moi. On est juste russe, y a pas de ping. Ah merde, putain, c'est vrai qu'il y a pas les ping. Non, mais le F-chest, faut aller se faire foutre. Virez-moi cette merde incommensurable là. Virez-moi tout ça là, c'est de l'opsy. Et là, vu qu'on est en PVP, il fait la base. Putain, mais faut au moins. Alors, juste vite fait des slots de libre. Ça va alors s'il fait la base. Normalement, c'est que pour les trucs importants. C'est vous le dans le coin à côté de la 420? Sûrement, ouais. Enfin, trop bien les potions. Bien. Ah, j'ai récupéré la cobble. Mais attends. Mais attends, c'est que je suis un trou du cul. Bon, je sais pas ce que je vais faire. La rod elle marche pas fou sur ce serve. Si, en vrai, c'est pas mal. Trois trucs à Alt F4. Il est où? Mais. Mettez. Mettez, 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 mettez. Ok. Il y a besoin d'être dans la paix, tout le monde est parti. Putain. C'est quoi ce boucan là? Je fais un K-block, vas-y, ça moule, je me TP. Ok, petite mettez. Il faut prendre une fin max.
Ok, nickel. Ils vont sûrement user un C4. Ah oui, c'est sûr qu'ils vont user un C4, les gens. Y'a spam, mais personne n'est venu à temps. Bah, moi, je me suis TP à je sais plus qui, mais c'était dans la paix dans tous les cas. Et j'ai pas vu Tratrux, moi. C'était avec Binou et Samoul, là. Avec Aqua Speed, c'est différent. Bah, c'est juste que je sais pas me punch. On n'est pas coordonné, mais je pense que c'est ça. Hein. Attendez! Allô? C'est quoi ce. Attends. Mais il y a de l'opsy là! Ok, place au F-chest! C'était PS. Comme ça là. Attends, bah Poloche, je te laisse tout. Bien vu. Je te laisse tout prendre, mon pote Poloche. Un truc, c'était invoqué avec ce moule. C'est des potions, je crois. Hein? Oh non, j'ai nausé. TPS, si tu as la mettez, sachez TPS. Merde. La nausée, sérieux. L'invention. Si on n'y est pas, tous c'est useless. Mais vraiment pas, tu sais qu'on peut. Une mété, ça peut se carry à deux personnes, hein. Ou à part, à moins qu'il parle de la paix. Je parle pas de la mété. Ah oui, il parle de la paix. De traître. Et à 18h15, faut qu'il y ait un mec qui aille à l'arène pour cliquer sur dominer l'arène. Vous avez entendu la fac? Il y a une proba pour qu'une mété pop dans un. Dans une base claim? Non, c'est impossible. Normalement, c'est défini pour que. Il y a des emplacements de météorites qui sont définis dans la map. Bulo veut plus jouer, donc Binou va avec nous. Pourquoi il veut plus jouer Binou? Bulo. Non, mais Bulo, il veut jouer Wagner, je crois, il m'a dit. Enfin, il a dit. J'ai cru voir. Il est mort. Là, il est mort. Mais vas-y, avec Binou, c'est win, hein. Binou, il est bon, hein. Mais garde de fac, normalement, on aura besoin de fight personne, à moins que... 300 blocs. Bon, ouais, le temps que... Bon, slash TPR, my life. Me punch comme un idiot. Je vais me mettre des slots tranquilles. Genre ça, je m'en fiche. Parce qu'il faut que je récupère quand même des métés hein, dans cette histoire. Début dans 6 minutes. En vrai, ça va, on a le temps. On a le temps, on peut rester à 300 mètres. Raidex, t'es quoi ou pas? Il est même pas quoi, Raidex. Il doit y avoir la file. Il doit être baisé à cause de ça. Putain. Ah. Ça fait un peu de frais, c'est bien. Mais gentil, mais pas con. Cool. 53ème. Putain, on aurait pu faire la mété avec toi, Raidex. Mais non. Ok. Ouais, attends. Vraiment un piquet de titan en 2-2. J'ai pas de piquet de titan. Genre j'ai des bouts quoi. TP-moi après. J'ai des bouts de piquet de titan, Yaska, je peux pas te les vendre. Et puis j'en veux, il m'en faut un. Mais je crois que si personne n'a de C4, personne peut le faire. Hein. Monsieur Smokeweed. Pourquoi je peux pas? Personne peut ouvrir la mété s'il y a pas de C4, non? On va attendre l'ouverture des portes. Mais vous êtes pas chaud, on... Petit C4 en 2 spi? 1,5 PB. Mais Iska, je... T'es partenaire ou pas que je slash don? Je peux juste envoyer ça. Pas de mété perso. Fais gaffe, dernière version, la mété spawnée avec plein de gens à cracher. Je pense que ça doit être patch Caméléon, hein.
doit sûrement être patch. Quoi? Ça, je t'ai payé ça. Quoi? Je peux pas te TP. Tu te décales. Finis mon Mr. Freeze et j'arrive à la mettre, mais... Comment ça tu finis tes Mr. Freeze, frère, il y a 4 minutes? TP toi maintenant. On n'est jamais trop prudent. T'es où, Yeska? Juste TP. Bah surtout pour iPhone pendant les 20 mété. Oui, bah oui, je sais, Riser. Parce qu'il y a le waypoint. Je suis dans RS4. C'est vraiment la faculté d'être allié pour rien. Attention, dégâts de chute. Puis un deuxième. Ok, ça commence à devenir pas mal. Vous avez tous une farm sur vous, j'espère, les mecs. Hein. Attends. Allô. Allô. Ouais. Ouais, c'est bon, ouais. Sur la mété en voc. J'ai une farm en diamant, par contre. Mec, tu vas miner en 3 plombes, hein. Prends une tita, je pense. Hein. Après, je prends ma pioche mété en légende. Hein. Ouais. Mais bon, toute la mystique là, je sais pas. Bah. En fait, j'ai pas trop de perles, c'est ça le problème. T'as combien? T'as 2 stacks, non? Même pas, j'ai un stack et demi. J'ai TP mété versus 3K. Si, prends ta pioche mété, ça moule. Bah, alors, il me faut des perles, attends, je vais en acheter HDV. Putain, mais Bibou, il est trop cher. Chiant. Parce qu'en gros, la mété, ce qui va se passer, c'est que. Elle est constituée en deux parties, il y a la partie du bas et la partie du haut. La partie du bas, il y a 4 sphères. Dans ces 4 sphères là, il y a les coffres. Et la partie du haut, tu montes avec une échelle. Et pour les grosses factions, en gros, ils vont attendre en haut, ils vont attendre que vous venez et puis ils vont vous farmer. Et du coup, il faut que tu fasses attention à juste pas monter avec ta pioche ou du moins à jouer safe un peu. Alors, je crois que je vais vite revenir sur la décision parce qu'on peut pas perdre. Pote, c'est autorisé 10 minutes après ça tomber. Ouais, ça me paraît être une mauvaise idée. Hein. Je vais pas prendre ma pioche. Hein. On peut pas perdre dans la mété. Ok. Bidou, tu viens vocal ou pas? Non mais putain, bon tant pis du Titi, je peux pas te TP parce que si je refais le chemin à chaque fois... ça va aussi, 1 minute 15. Si on crache tous, c'est légendaire. Par contre c'est... C'est qui là-bas? Je fais mini, putain. Mais tellement peu. Non, ils sont énormes sur les côtés. Il y a toute la mystique, etc. Mais ils sont pas de notre côté à nous. Ouais, juste. Ça va être dur de survivre hein, vu qu'on peut pas perdre. Ils vont juste nous kébloer dedans. Pour ça, faut PC, faut joint, etc. Bon, ça va le faire. Faut juste. Bah, faut sur la partie du haut. Soit on joue les coffres, soit on joue les. Comment ça s'appelle? Les métés, mais les métés ça va être trop loin à miner et il va y avoir plein de gens dessus en fait. C'est pour ça que si on n'a pas une pioche one shot, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Dans le sens où tout le monde va venir, tout le monde va se taper entre eux pour essayer de la loot. Donc, soit on joue les coffres, c'est l'étage du bas, t'as dit hein. Ouais, il y a 4 sphères normalement, ils sont entourés de pierres de métés et tu peux les miner. Bah, tu mines et tu rentres dans la sphère et tu perds l'instant. Et il y a des coffres et tu loot. Et après, il y a un étage où il y a les métés. 6 secondes, ouais, après, mais c'est maintenant les gars, 3 secondes. Et je me fais focus en identité masquée par un mec de la The Sword. En gros là, la sphère elle pop, mais il y a les portes qui arrivent. Et du coup là, faut attendre un C4, faut faire attention. Ah bah, porte ouverte. Ok, bah ils ont eu un C4. Faut trouver l'entrée. Yes. Ok, l'entrée elle est là. Ok. Et là vous rentrez du coup, et normalement il y a 4 sphères. Et faut réussir à passer. Bah faut réussir à miner. Ah ouais, mais il faut du C4 encore là. Pour aller à l'étage du haut, ouais. Donc là on doit trouver des trucs déjà ou pas? Ah mais ça a changé, y'a pas les sphères. Là y'a des trucs à miner, non? Les blocs de métier. Ouais, si tu mets sur les côtés, je pense. Oh, comment ça bug? Ils ont changé leur météorite. Vos FPS ça va vous? Ouais, ça va, mais...
Ah, c'est dur là, les FPS. Donc, tu sais qu'il y a full mec qui vont crash, hein. Il y a full mec qui vont crash, récupérer les stuff, hein. Mais y'en a, ils ont ouvert les coffres, putain, je sais pas. Ils montent en haut, ils montent en haut. Mais ils peuvent pas poser de C4 en fait. Faites attention, hein, quand vous montez en haut, normalement vous ne redescendez jamais. Mais les heals, elles marchent pas? Si. Je peux pas me heal. Y'a un mec qui a drop. Sur un bloc. Moi non plus, je peux pas. Ah, si ça bug en fait. Ouais, on peut pas se heal, hein. Y'a full mec qui vont mourir, hein. Prenez le stuff. Avec les stuff Senna, c'est. C'est le moment. Je vais grind PC parce que c'est en train de crash. On sait jamais. Ah non, c'est bon, ça décrash. Ouais, c'est juste que ça bug pour les heals. Ce teamfight de fou là, c'est quoi ce truc? Tout oh, y'a un mec à drop. Les gars, récupérez du stuff, allez dans le tas, récupérez du stuff, hein. Y'a des mecs qui rentrent devant moi. Mais il crash lui. Pour toi, bon, moi je vais pas faire le malin, je grind PC, on va voir ce que j'arrive à le faire. Ah, les coups sont en décalé. Mais gros, c'est terrible, on peut passer heal. Ils sont montés, je comprends pas. Attends, mais rien, les coups d'épée marchent pas. Non, il faut un C4 pour monter. Et pour le moment, personne l'a eu encore. Y'a où qu'elle a metté? Viens, on l'arrache là, ici. Lui, vas-y, ouais, il est mort. Pourquoi je prends 7 dégâts d'un coup? Parce qu'il y a les coups qui sont décalés. Mais wesh, mais je vais mourir, hein. Y'a un mec qui fly, attends, ouf. Oh, regarde, je suis mort, hein. Attends, y'a un mec de la mystique. C'est quoi les dégâts que je prends? Attends. Pourquoi il grille PC, hein, n'hésite pas. Mais non, mais c'est normal, c'est parce que ça lag, y'a les dégâts en décalé là, y'a les fly trucs. Ah, j'ai pris PC en rapide, hein, c'est insoutenable. J'ai ça à manger deux PC, oh c'est une catastrophe. Moi je vais essayer de drop les stuff Tita, hein. Pas les stuff Tita, les stuff Senna, pardon. Bah là tout le monde va mourir, hein, y'a pas que les stuff Senna qui vont mourir. C'est tellement facile de mourir. J'ai jamais vu autant de gens. En gros maintenant ils ont mis les sphères sur les côtés, ok. Je pensais que c'était en plein milieu. Ça y est, pourquoi il me... Ok, j'ai plus de pump shit, ça va vite sortir. Frère, le nombre de gens qui est mort, c'est affolant. Vas-y, on va jamais dû faire ce que je viens de faire. Là. Je vais sortir de là. Ah mais ils sont montés là. Y'a du monde en haut. Ouais, y'a du monde en haut. Je vous déconseille d'y aller, hein. Ouais, parce que descendre après c'est que via les échelles, donc c'est chaud. Ouais voilà, et c'est impossible. C'est vous mourrez si vous montez, honnêtement. 12 minutes, c'est quoi qui vous dans 12 minutes? 12 minutes. Ouais, y'a un truc, y'a un bloc bizarre et y'a écrit 12 minutes. Sûrement pour accéder au métier du haut, hein, je pense. C'est une espèce de mine. Bah ouais, bah c'est pour ça. Soit vous minez sur les contours, je sais pas s'il y a des météos, ou soit faut attendre le truc du haut. Ah mine, il reste 3 métés les gars, regardez à droite. Ouais. Comment on monte de ça là? Ça va juste sortir, hein, c'est là l'event, bonne chance, hein. Ouais, je crois. Comment on remonte? Ah non, on en prend là. En vrai ça va, les remontées sont faciles. Bon, tous en train de miner dans la métée, les gros rats. Tellement de temps la pierre de métée à se miner. Il a quoi? Il a PC? Il y a une herbe de hauteur. Ah, mais les underpearls sont activés là? Ah oui, putain, je vais lui désactiver tout à l'heure. Je suis con.
Oh le tas. Je sais pas, je suis parti de la mété, je suis... C'est quoi ce rafut, frère? Non, allez, je sors, c'est... y'a rien à faire. Y'a rien à faire ici, frère. Hi. Ouais, à l'intérieur, c'est en train d'un peu s'estomper, donc coup, si vous voulez pas vous faire focus... Parce que je pense que les trois métékias, elles doivent être au-dessus, là où c'est pas encore ouvert. Je sais pas. Je vais aller me repair. Et je reviens. Ouais, ça a rien de revenir, hein. Là t'auras jamais une mété, frère. Non, je vais me battre un peu. Ouais, bon. De toute façon, rien qu'avoir une mété, si j'ai qu'une pharmax en antitacite, ça sert à rien. Tu mets trop de temps hein, à miner le truc. En fait, il faut juste une skill pickaxe hein, et c'est game. Qu'est-ce que je vais dire? Parce que moi, sans ma pioche en mété, ça va pas non plus si vite. Hein. Sur le bloc comme ça. Quoi, non? Pas si fort que ça les gens de la mystique 2 quand je suis en train d'en... Mais toute la mystique, genre c'est vraiment... Il y en a quelques-uns qui sont forts mais 90% sont vraiment pas très forts. Hein. En train de me battre contre un mec mais... Il descend plus. Y'a quelqu'un qui a besoin d'un TP ou vous êtes tous bons là? Non c'est bon. Okay. Ça va repartir cooké hein. C'est plus un petit event très bien. Ouais. À part nous faire le cuistot et c'est bien plus rentable que ça. Moi j'ai vraiment failli crever à un moment, genre je prenais 4 coeurs par coup, je comprenais rien. Ouais quand le serveur il bug. En fait des fois quand il y a des coups de freeze genre de 1 seconde. Genre il y a une sorte de latence qui fait que y a full tu prends full coup. Mm. Qu'est-ce qu'il fait pour y back? Oui, il vient vers la mété. Oula, prochain truc, 19h15, domination. Parce que c'est l'event. Oh, t'as fait le drop, Ice. Je te jure. Mais il a balancé une... Il, Ouais, je vais me casser. C'est qui le mec qui est venu sur toi là? Je sais pas. Fais gaffe, hein, ils vont. Il va avoir aucun scrupule pour te. Te truc. Un petit peu dur, hein. Horrible PVP à la mété. C'était lui, Jimmy 15 là, que j'étais en train de fight. En F1, il se voit les waypoints ou pas? Ouais, putain. Ça bug beaucoup trop. Bon, bof, hein. Hors mété. Ice, le prochain truc qu'on prend, c'est multiplicateur de points, non? Le truc de gemme. Peut-être les claims en plus, non? Ah, mais attends, on a pas pris les claims. Non, on a pris les chests. Bah, t'as dit, on pouvait prendre les deux. Non, non. Enfin, faut qu'on prenne les deux en gros quand on a les 200 gemmes. On les avait les 200 gemmes. Ouais, mais on a pris le FS du coup, ça nous a coûté 200 gemmes. Ok. Voilà. Simplissimo. Bon, c'est trop bien, j'arrive en FOM. Il y a full heal dans les coffres en pierre de mété. Et en plus, ça descend. Trop trop bien. Là, j'ai envie de déco mais le problème c'est que bonne chance pour me repos à 19h là. Ouais. Bah non mais pourquoi tu veux te repos à 19h? Bah pour le truc de fac, la domination. Bah non mais c'est maintenant. Ah
Domination. Là, 18h15, hein, n'oubliez pas. Non, c'est 18h15, ouais. Ouais, ouais, faut aller cliquer faut sur juste... bordel, non. Faut juste cliquer sur le truc. Ouais, mais faut être quoi après, non? Bah, domination. Bah, faut être sur le serveur, quoi, non? Enfin, je comprends pas, c'est quoi le principe? Non, en gros, on ne parle pas de l'event domination, tu sais, le truc où tu dois aller faire le... Comment ça s'appelle? Sur l'arène, là. Ouais, je sais, bah faut être cool, enfin, faut jouer au jeu, quoi, je comprends. Ouais, ouais, oui, faut que tu joues au jeu. Mais du coup, pourquoi on me dit faut pas être cool? C'est absurde. Non, mais en fait, il y a deux trucs, c'est guerre de faction et il y a domination, et c'est pas la même chose. Ah bon? Je crois, hein. Si, moi, je crois que c'est la même chose, justement. Bah non, non, domination 19h15, guerre de faction 18h15. Non, c'est un truc à part. Garde de faction, faut rester court. En gros, on se fait duel, quoi. On a 3 minutes, genre en mode pour. Ah, mais c'est maintenant le truc de garde de fac, en fait. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Non, mais bah, j'ai pas compris. Je pensais qu'il était dans le truc d'event. Mais du coup, là, faut juste attendre et. On prend un punch ou pas, Ice, dans l'arène? Ah, non, ça, non. On peut pas. Et même des perles, non. On peut pas. Donc, prends vraiment full heal. Hein. Ouais, c'est ça. Mais là, faut juste cliquer sur dominer l'arène et. Parce que en soi, il y a vraiment personne qui a du cœur, hein. Enfin qui a un cœur de fac. À moins que. Ah, mais la Revolution, ils sont quand même 4ème là. Comment ils ont fait? Après, ils ont 11 000 points, alors mais 3 fois leurs points quand même. Ouais, mais genre, ils étaient pas 4ème du tout. Ah, ils ont fini toutes les activités de faction. Ah, ils commencent à jouer la Revolution. Ouais, vite fait, hein. On leur met. Ouais, je sais pas combien de points, frère. Oui, c'est sûr, après, voilà, on leur met la rouste. Mm. Il va leur en falloir des tasks, sachant que si nous on les fait aussi. Il faut attendre 2 minutes. J'ai mis l'alarme à 18h14, je crois. Hop là. Batterie faible. Vous voyez la recharge. Ouais. Damso. Attends, mais ISK, là, je lui ai filé une épée T5, mais il m'a donné quoi en échange? Tu t'es fait scam. Il est où? Yeska, tu m'as scam. À moins qu'il m'a envoyé un truc juste après. Est-ce que je lui ai donné une épée? Attends, il y a deux ISK? Ou il y a trois? Non, c'est ISK à son place. Il y avait pas un partenaire qui s'appelait ISK? Il m'a dit. Bah si, c'est lui. Attends. Ah bah ouais, je sais que c'est... Il est pas partenaire, attends. ISK, je te paye après. Ok. Tempest, maître de l'arène. 18h14, tu veux combien? Je sais pas, je lui ai donné le truc. Non mais... Il m'a envoyé 10$. C'est... Attends, 2500$, c'est tout? Ouais, c'est bon. Nope. Ah, c'est vrai, il faudrait un fusionneur aussi. Ouais, c'est quand, là? Fight. Tellement close de... du level 16, frère. Il manque un peu plus de 5000 XP. Mais les guerres de faction ne sont pas activées. Oh non. C'est écrit. On s'est fait scam par du Why Not en personne. Ah si, c'est bon, les actes sont ouvertes. C'est bon. On est la fac qui domine l'arène. La faction Escorp domine. Comment on voit? Tu vas où? Bah tu fais... Guerre de faction domine l'arène, en attendant un combat, la faction Escorp domine. Il y a écrit pas dans le chat ou quoi? Attends, il y a écrit... Non, il n'y a pas écrit. Juste c'est écrit. Et là, ouvert. Tu vas dans F classement et tu vois qu'on a un multiplicateur de 1,56 au total. Parce qu'on a le truc de la cuisine plus le garde fac. Mais imagine, oh la dinguerie, imagine F info, tu vas dans. Comment ça s'appelle? Tu vas dans le truc des gemmes. Imagine, on prend l'upgrade en plus multiplicateur là. Mm. Là, on est en presque en x2. Hein. C'est énorme. Ah, mais attends, nos points ils sont multipliés par 1,56.
Mais attends, mais 1,3, moi je pensais que c'était juste les points du poker qui étaient OMG Ice, c'est deux boosts plus on vend le stuff à Marc, on est riche, frère. Mais on peut faire 10 000 points d'un coup, là. Plus le multiplicateur, on est trop riche. En plus, on a full stuff là, ils ont trop donné les autres tout à l'heure, c'est trop bien. Le 1,2 il augmente progressivement. Ok. Mais en gros, il augmente chaque jour, c'est ça, c'est exponentiel en fonction des jours. C'est ça, Funko? Parce que là, y'a personne qui va nous fight. Vu que personne a de cœur, mis à part Rixed et Wagner. Bon bah, voilà. Hein. Pas le temps d'aller faire un tour à la grotte là ou pas? Non. Ne dis pas ça en live en plus. Ouais, ils vont profiter. J'ai envie, hein. Ah, quoique, c'est des alliés après, ils vont nous attaquer. Okay. Ça va pas la Jules? Non, pas pour et ça, parce qu'ils vont juste venir dans la grotte. Baisser pied, moi je veux bien. Enfin, y'a une baissée à pied, y'a plus, mais elle a dit dans le chat. Attends, c'est moi le serveur, il lag à mort là. Non, c'est toi. Genre, je fais clic droit avec ma rod, ça met 3 secondes pour se jeter. C'est bon. Faire ça et prendre le contrôle de la domination quand on finit nos tasses par semaine, ça fait 5000 fois 63. Ouais, putain, j'avoue. Vous dominez l'arène, vous avez rien à faire, ok. Mais là, on la domine de 18h15 jusqu'à 19h45 ou... Et après, on la domine après... jusqu'à la journée. Ouais, la journée demain aussi. Putain, si on a la domine, on peut être Gucci alors, ça veut dire. Bah, le temps qu'ils ont pas de cœur de fac, ouais, on peut farmer des points. Quoi, mais... Nos alliés peuvent nous attaquer, mais... C'est vrai? Bah, je pense qu'ils veulent, voilà, ils veulent leurs points aussi. Funko, les alliés, ils peuvent attaquer ou pas? De toute façon, Wagner, Rizet 5 sur 15. Et Wagner 3 sur 14, donc je pense pas ils vont faire que... Je pense pas, hein. Ok. Vous allez vous mettre ennemi. Ok, bon bah nickel. Bon bah... Garde de faction, Ah ouais, premier arrivé, premier servi. Heureusement qu'ils ont pas fait clic droit avant nous, la Wagner. Je te jure. Ma sale coupe de cheveux, là. Non mais j'ai bien envie de PVP, putain, faire des 1v1 et tout, là. Tout à l'heure, j'aimais bien, là. Putain, l'autre de la brigade, j'avais qu'une envie, c'était de froisser là, putain, au bâton. Mais tu sais que là, si tu cook pendant un moment, Juice, on va être trop riche. Hein. Ouais, je peux la piller avec ouais, vous, mais c'est moi qui ai trouvé. Il faut du bois, faut que j'aille en farmer. Ouais, tu peux en acheter, mais bon. En plus, je bug, il me recommande Amourante. Il bug pas, mon pote. C'est pas un bug du tout. Même moi, il me recommande Amourante. C'est pour te dire qu'il bug pas. Ça va, King? Cette machine en space refo, on en parle ou... Parce que depuis qu'il n'y a plus, vous êtes F-list 5. Même pas, F-list 6. F-list 6. Non, ça va pas, tu m'étonnes. Faire 500 PB, vous étiez mort de rire hier en vocal quand vous l'aviez explosé. Bien de voc avec vous d'abord, je vous TP. Non, voc, laisse tomber, mais si tu veux, tu peux nous TP, Plume, c'était une base à pied. On peut essayer de voir, mais le problème c'est qu'il faut qu'on fasse que la TNT et qu'il faut absolument qu'on garde tous les creepers pour les cœurs de fac, etc. Donc j'en ai 32. La mystique, zip. La mystoc. J'ai eu une mété. Attends, t'as eu une mété dans l'event, ta casse ? Maelstrom. Pas chez chaud. Maelstrom. Oh, Redoff. Tout pour le nombre de viewers. Merci mon frère Skiers. Comment ça va, gros BG? Ça va. On a tué 2 P4 en V1. Je crois que tu fais quoi? What? What? Allô? J'étais en train de jouer en double, je comprenais pas là. Ouais, ça va, Pino et Rydex? Je me suis débuté sans vouloir. Ça fait quoi, les ouais. mecs? Ouais, du coup, tu fais quoi? Tu m'as fait trop peur. Vous faites quoi là? On va sur LOL. Ok, bah je me casse alors. Putain, la chatte. Heureusement, je viens pas le soir où c'est dans FIFA et tout parce que. Oh putain. Bon. Allez à toutes mes potes. Ouais. Ouais. Faut voir Idex là. Bon putain, ça m'a fait trop peur. Je fais quoi, gros? Je me suis... Il appuie sur ma touche pour me... J'ai pas fait gaffe, je me suis mute. Du coup, bah moi je suis chaud pour voir un peu ce qu'on peut faire là, mais... J'ai l'écho d'une farm de la IC, elle n'est pas finie. Oh, attends. Alors ça, c'est le tome PVP 2. Ah! Attendez. Il reste un million de mété, putain.
Binou, tu sais que ça m'a fait. Vraiment, ça m'a fait peur. Pillage. Attends. Home. Ok, slash call. Plus jamais je vais pépé dans un P. Mais Tratruc, je te jure, moi je me suis TP et tout. Hein. J'ai tué un full Senna. Dans le bas de la paix. Mais je pense que c'est. Comme il a dit, Binou était mal synchro. Enfin, je me suis TP à Samoul. Et moi je t'avais pas vu. Je sais pas où t'étais. Ou t'étais peut-être mort déjà, mais je sais pas. Call qui Gizmo Yoni Willy Willy Yoni. Du coup, si on la pille, vous m'entendez? Car j'ai envie de piller ma première WC, ouais. L'event domination, savoir si je déco. C'est un event full PVP, un peu en mode KOTH, je crois, non? Funko, t'es là ou pas? Oh, attends, elle est pas finie du tout, même. Skiwig. Attends. Petit joint. Sache le TPIS. Ok, bon, qu'est-ce que... Ah putain, j'ai oublié mon punch. What, il est où mon punch? Je te laisse chercher, je cherche des skies. Vas-y, ça marche, Gizmo, bon courage. J'ai perdu mon petit punch, là. Binou, t'es pas mort, au fait, là, tout à l'heure. Il y a intérêt à pas être mort. Putain, non, mais le truc de la mété, faut aller se faire foutre. Comment désactiver les weapons des events? Option des interfaces, event. Ok. T'as fait mon anneau? Non, je l'ai pas fait! Je vais le faire. Oh, anneau mineur là? Mauvais timing, mec. Mais c'est ultra important qu'ils sont tous partis avec Misper, on était de. Putain. Désolé, mon pote. Attendez, on va faire une prédiction en légende. La rune corail. Premier anneau mineur. Mini waypoint, ok, je vais voir Funko. Et du coup, Funko, c'est quoi l'event domination un petit peu? Eh, la technique serviette mouillée, je vous recommande. Parce qu'en fait, ça stack de l'eau. Et puis, vous pouvez presser un peu comme les mamelles d'une vache. Et ça vous met de l'eau froide un peu sur vos jambes, etc. Enfin bref. Petite strat. Et voilà la petite prédiction. Il y a 3 points. Pourquoi tu fais 3 petits points, Rydex, alors que tu mets tes pieds dans de l'eau chaude alors qu'il fait 40 degrés, toi? 14 minutes, tu serais chaud de me tenter l'anneau. Ouais, carrément. Ça stack de l'eau matricée par MC. Mais tu traites ça comme une mamelle d'une vache et ça te fait du frais de fou, hein. Oh, infini IRL. Ah, c'est vrai qu'on a de l'infini, de l'eau infinie, hein. Tu vas le conquérir et tu gagnes des points. C'est un peu comme... C'est en Warzone Funko ou pas? Je mets tous mes points sur oui, mais t'as bien raison. Hein. Il n'y a que 4000 points. Domination, c'est le plus grand nombre qui win. Je pense que c'est un peu ça, ouais. En fait, c'est 3 KOTH à la fois, c'est ça Funko? Pour les plus casus. Mon petit anneau mineur, les mecs. J'en ai jamais réussi. Vraiment, j'espère que ça va passer. Hein. Ça serait beau qu'on ait l'anneau mineur. Hein. Domination, c'est 3 zones. Ouais, oui, ça j'ai vu, ouais. Il y a 3 points, du coup 3 zones. Ok, change de musique, c'est bon. Je fais la technique des clics droits. Ok, attention. Vous savez, d'un côté, je suis content que ça foire, parce que comme ça, j'ai pas à me TP au spawn et à donner. C'est quoi ce skin, sérieux? Rip. Rip les mecs. Pas de chance. Ça faudrait que je le mette dans la sky. T'es plutôt expert, ça j'étais hyper poloche. Et oui du coup... Ah non merde, attends, j'ai pas pris mon punch. Mais il est où mon punch là? Walshy serait content d'être sur le live là. Mais la météorite bordel, je crois que j'avais désactivé. Zoné. Eh hey, Malfi! Il y a des moustiques qui viennent déjà alors qu'il fait 56 degrés? La maternelle! T'as vu, c'est Gasolina?
Ça me bute, le FOM se transforme au fil des lives. Ça devient de plus en plus volcanesque. Volcaneste. Roisif. Mais Roisif, qu'est-ce qui t'arrive là? J'avoue, à utiliser des mots que tu ne... Qu'est-ce que tu nous as fait là? Qu'est-ce que tu nous as cook? Volcaneste. Bah putain! Ça, parce que ça, pourquoi ça veut dire vraiment quelque chose? Bon, c'est long de te lire, Oisif. Hein. C'est que tu as désactivé. Ah putain, j'ai désactivé de la HUD, merde. T'as raison. Keystroke, non. Paramètres de jeu. Eh, parfait, là, non? Volcanesque. Mais on dit rien du tout, hein. Il est là. Allez, viens, Poloche. Me dis pas, il va underpearl. OMG, Poloche, trop fort. Et c'est parti, opération. On se déteste et on s'aime. Oh. En vrai, il s'attrape. Ah. Il y a de la cobble là. Pourquoi ils sont aussi... Go casser le psy là. Mec, mais on veut pas battre six creepers là. Il est quel stuff? Il est no stuff, Osef. Mais putain, faut se mettre en sneak. Full perle. Y'a rien poteau, c'est notre farm. Bon, arrêtez avec les rien. Y'a rien poteau, c'est notre farm là. Y'a tout le. Tout chill. Tout chill. Chills PVP là. Qu'est-ce que je voulais dire? Y'a tout chill PVP là qui. À chaque fois on va dans cette base, non mais mon poteau c'est rien, c'est notre ancienne farm, y'a rien. Laissez-nous piller, bordel. En vrai, on se met bien ou pas? Les cactus, on en a pas beaucoup en vrai. Je me tépais dedans. On prend les cactus parce qu'on en a besoin pour les cookers. No fake, c'est vrai. Ah d'accord. Let's go, Agrix planté. 1,20, c'est de la merde, Riser. Pas de chance. Full perle, en fait, fallait casser en dessous et... Et voilà.